Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la cuisine père et fils. On se retrouve avec mon cher Second. Bonjour, bonjour chef, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là déjà, que ça fait plaisir de vous voir si tôt de bon matin, oui. À l'ancienne. Et pile poil à l'heure, je dirais. Et pile poil à l'heure. Alors, cette fois, il n'y a pas eu de problème technique. Ouais, super. Tout a été fait dans les règles de l'art, j'espère. Absolument. Si du monde est là pour nous dire si le son va bien ou pas, n'hésitez pas, parce qu'on ne sait pas trop, mais normalement c'est bon, parce qu'on n'a rien touché. Voilà, donc bienvenue à tous, hein, bien sûr, encore une fois. Ouais. Comment ça va? Écoutez, chef, ma foi, ça va. Toujours content de vous revoir et de revoir nos amis. Et vous dire qu'aujourd'hui, il fait un temps maussade, gris. Mais encore une fois, nous allons voyager dans un pays plutôt chaud. Donc, ça va le faire au niveau de la météo. Chaud, je sais pas, ça dépend du temps, je pense. Ça, oui, sauf la mais ouais, donc ça, voilà. Aujourd'hui, donc, comme prévu, on va explorer l'Inde. Voilà, donc oui. Le pays que personnellement, je n'ai jamais connu. Je dirais même plus, moi non plus. La musique est un peu forte, ça bon? Ah, aïe. Quelle erreur. Merci pour l'info. Alors normalement, elle est baissée, ça devrait être un peu mieux. Donc normalement, ça devrait aller mieux maintenant. Donc du coup, merci pour l'info, hein, souris verte, ça fait plaisir. Donc du merci. Coup, comme on disait, donc l'Inde, voilà, l'Inde que, voilà, que je n'ai jamais exploré. Nous allons voyager vers l'Inde. Et je n'ai jamais fait non plus de recettes indiennes, j'avoue. Moi, j'ai dû faire peut-être un ou deux plats plus ou moins à l'occidental, avec des épices, tout ça, mais vraiment, non. Donc, j'ai de la cuisine indienne. Ouais, non, moi non plus, voilà. Donc, c'est un peu nouveau. C'est mieux, fait. Ok, bon, merci. Et c'est tant mieux parce que pour nous, ça fait partie d'un challenge, une aventure, encore une fois, hein, pour vous, pour essayer de vous faire plaisir. C'est bien beau tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, donc, cuisine indienne. Yes. Alors, donc, on va faire. Des cheese naan, donc un classique un peu finalement de la cuisine indienne, c'est un truc c'est devenu un classique depuis quelques temps. Ouais, voilà, donc c'est un truc que donc, les gens connaissent, hein, une galette avec du fromage dedans, voilà. Très classique mais très bonne, voilà. Hein, globalement ça passe crème, j'ai envie de dire, crème c'est le terme. Oui, ça tout passe à fait. Crème, oui. Voilà, donc ça fait plaisir. Un butter chicken, donc pareil, qui nous vient de Delhi, voilà, donc c'est une, pareil, il y a une recette plus récente, je pense. Que le cheese naan, mais voilà, non, c'est à base de poulet, donc on vous montrera bien sûr pendant cette émission, évidemment. Voilà. Ah oui. Et pour le dessert, un gulab jamun, voilà, qui sont des boulettes de quoi d'ailleurs? Des boulettes qui sont composées à base de farine, de la semoule fine, qui sont frites, hein, donc préparées. Sont de beignets finalement. Sont des beignets, voilà, qui vont frits et imbibés dans un sirop qu'on prépare à base des cardamones. Ok, voilà, très bien. Et c'est un challenge aussi parce que c'est très très compliqué à faire, donc voilà, on va essayer de jouer. Oui, on va essayer de jouer le jeu. On a déjà facile à préparer, mais compliqué à frire. En fait. On a déjà raté des desserts ici. Voilà, donc ça sera le deuxième, peut-être. Peut-être. Donc on va lancer des paris. Va-t-il le rater ou va-t-il le réussir? Ah, ça. Ça, c'est un super challenge, moi ça me motive. Ouais, ben, ça vous motive tout seul. Moi je. Oui. Je suis pas pour l'échec. Après l'émission, si c'est raté, je pense que c'est le chef qui va être motivé vis-à-vis de moi. Donc soyez indulgents, vous au moins, pendant l'émission. Voilà. Exactement. Et sur ce, je vous propose de se lancer directement, en fait. Très bien. Alors, on a dit trois types de préparations. Exact. Nous allons commencer, comme à l'habitude, pour une préparation qui est beaucoup plus longue. Donc, pas forcément longue, mais qui a besoin de repos. De repos, en fait. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a une marinade pour le butter chicken, donc pour le poulet du butter chicken. Oui. Butter chicken qui est littéralement beurre poulet, quoi. Beurre poulet, voilà. Voilà, en fait, c'est un poulet au beurre, concrètement, avec une sauce au beurre un peu... C'est ça. Ça peut faire peur dit comme ça, mais je pense que ça peut être bon. Oui. Et puis, c'est parti, quoi. Oui, sinon, si vous permettez, chef, étant donné que je commence à prendre un peu de poids quand même, mais dans le sens figuré comme le sens propre, et ça serait peut-être sympa qu'on puisse démarrer avec une petite gourde offerte gentiment. Si quelqu'un peut envoyer des petites gourdes, c'est sûr que ça ferait plaisir. C'est... Voilà. La bienvenue, concrètement, j'avoue que ça ferait du bien. Si quelqu'un a des gourdes à donner. Ouais. N'hésitez pas. En attendant, du coup, butter chicken, donc, yes. De quoi a-t-on besoin? De tout ce qui est affiché sur votre écran, à peu près, normalement là-haut. Alors, une gorge pour le second. Oui, merci, vous y aller. Merci beaucoup. Et voilà, donc on a besoin donc du coup de beaucoup de choses. Alors, c'est très petit pour moi sur l'écran, donc je ne peux pas vous le lire, mais vous l'avez. Merci pour la gorge. Merci ça beaucoup. Fait plaisir. Voilà, là on a commencé, là, ça y est, on est rafraîchi. Donc, chef, c'est un peu petit pour le... Donc, vous n'arrivez pas à le lire.
Ouais, c'est pas grave, après, c'est pas très important. Les gens le voient, donc c'est plus important. Donc, nous, on sait à peu près ce qu'il faut. On va commencer donc, à préparer le poulet, peut-être. Voilà, on va commencer donc pour la marinade à parpeler deux gousses d'ail. Deux gousses d'ail. Vous pouvez éventuellement me le Absolument, faire. Absolument, chef. Moi, je m'en occupe avec un grand plaisir. Ça fait plaisir, parce que moi, je déteste ça. Mais pour le besoin de la recette, il me faut. Donc, on va le faire quand même. Voilà. Voilà. Tout simplement. Il va nous falloir, alors vous voyez donc sur la recette, donc il fallait deux gousses d'ail, donc plus ou moins petites, ça dépend si vous avez des grosses, vous en mettez deux, si vous avez des oui. petites, là on vous a fait une heure et demie pour être dans la cohésion. C'est selon votre amour de l'ail ou pas. Voilà. Moi personnellement, il n'y a pas d'amour. C'est moyen. Donc voilà, donc du coup, on ne le fait pas. Pensez toujours à lever le germe quand l'ail est un peu, il a un certain âge. Hein oui, bien sûr. Surtout, c'est pas la peine. Je pense que même toujours enlever le germe d'ailleurs. Oui. N'importe que ce soit vieux ou pas, à mon avis, je crois qu'il faut l'enlever globalement. Oui. C'est vrai qu'il y a des os neufs où il n'y a quasiment pas de germe. Donc c'est un vieillissant qu'on tient un peu comme les vieux là. C'est le fameux vieux. Oui, le vieux, bien connu de tous. On vous voit. Hein. Ouais. On aimerait plus vous voir d'ailleurs. Oui, oh, c'est bientôt. Hein. C'est pour bientôt, chef. Voilà, donc du coup, pendant que le second découpe l'ail, ouais. on va donc prendre, il nous faut 3 cm de gingembre. 3 Alors, cm Ouais, ça paraît étonnant comme ça, ouais. mais il nous faut 3 cm de gingembre. Donc, on va donc le chef, comme il a le compas dans l'ail. Voilà, on va compter un petit peu. Alors, attendez, 1. On va le peler d'abord. Hein. On va le couper. Et 3, je pense, ouais. à peu près. À peu près, avis. Oui, c'est ça. Parfait. Ok, alors okay. on va le mesurer pour vérifier. Parce que je fais de l'à peu près, mais c'est pas bien. Là, il faut le couper ou l'écraser, chef? Regarde-moi ça. Waouh, mais c'est magnifique. Il le voit là, regardez. Je sais pas si on le voit. Hein. Oui, là, regardez. J'ai vraiment fait 3 cm pile. À l'œil nu. Pencher, voilà. À l'œil nu, les gars. Non, mais ça, c'est par contre. C'est insane. Je suis vraiment trop fort. Ça, c'est le chef. Après, ça, c'est mon apprentissage de l'usinage et de la précision. Faut-il peler le gingembre? Il faut le peler. Ok, est-ce que vous pouvez le faire? Vous voulez un couteau d'office peut-être? Oui, absolument. Couteau d'office, petit couteau pour peler donc. Quel pro? Ah bah écoutez, là franchement, là on est franchement dans le... Je m'étonne moi-même en fait. Non, moi ça m'étonne pas du tout de la part du chef. Moi je trouve qu'il est super, c'est vraiment le meilleur chef du monde. Il va falloir la petite râpe parce qu'on va râper le gingembre. Ouais. Ah oui, ah ben voilà, ouais. Très bien. On râpe le gingembre. On a qu'à prendre la râpe de qui sert à... Yo, oh, al chileno. Ah. Ça va, quoi, Esteban, ça fait plaisir. Hola. J'espère que tu vas bien. Bienvenido. De là où tu es, de là où tu nous regardes. Gros bisous à tout le monde et à toi. Regardes, on sait que tu es sur nous. Merci d'être là. Tu nous manques, sache-le. Ouais. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Mais parce que, ouais. Bon, parce que voilà quoi. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, hein. Vous avez pris le train ce matin ou vous êtes dedans? Non, vous l'avez pris tôt, non? Je vois pas trop pour, je vais pas trop pouvoir suivre. Je suis dans le train. Ah oui, voilà. Bah, ah ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, regardez, voilà. Nous avons pelé donc le gingembre. 3 cm de gingembre. Et je vais donc du coup le peler maintenant. Pour moi, est-ce que vous pouvez écraser l'ail? Je peux écraser l'ail notamment et m'attaquer à l'oignon si vous le souhaitez aussi, chef. À quoi? À l'oignon. Non. Non. À l'oignon. Ah, c'est juste pour la marinade du poulet, ça. Ça marche pas très bien, ça. Hein. Je pense qu'on va pas faire ça. Hein. Je vais prendre une râpe plus grosse plutôt. Ou alors. Parce que là, ça, non, mais vraiment, ça va fonctionner. Ou sinon, je l'écrase au couteau. Hein. Non, il faut le râper. Comment vous voulez, chef? Il faut le râper. Je tiens à ce qu'on respecte cette recette. Putain. Ouais, c'est pas très bon ça. On va prendre une râpe plus grosse parce que ça va pas du tout. Voilà, il n'y a pas de souci, chef. Regardez, moi je fais d'abord comme ça avant de l'écraser complètement l'ail. Hein. Faire une sorte de petite purée d'ail, vous voulez? Un écrasé. Un écrasé d'ail. Voilà. Oui, chef. Donc voilà la méthode donc. Alors est-ce que ouais peut-être je vais le râper. Ouais avec ça devrait passer non? Oui je pense c'est bon ça. Ah oui, là ça devrait passer. Oui, attention les doigts. Ouais. Toujours. Voilà, regardez-moi ça comme c'est magnifique ça, chef. Ça fait une heure qu'on est parti. Ok, c'est cool. Voilà. Donc chef, voilà, regardez-moi ça. Écoute, j'espère que tu as bien dormi malgré tout. Ouais. Ça sent fort le gingembre. Hein. Ah oui, ça sent fort l'ail aussi, chef. C'est les bonnes odeurs là du matin. C'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Voilà, absolument, chef. C'est vraiment fou, mais... Voilà, chef. Vous me dites si l'ail est suffisamment écrasé pour vous et s'il faut faire... Ça, c'est plus haché qu'écrasé, non? Oui, mais attendez, parce que je... Ah, après, vous allez l'écraser? Eh oui. Donc là, pour l'instant, il n'est pas suffisamment. Non, ce que vous demandiez de vous dire. Voilà, vous me l'avez dit, hein. Donc ouais, mais là, pour l'instant, je ne le vois pas écrasé. Mais moi, je le vois là, ici, un peu... une petite crème, là. Ça marche bien, dis donc ça. Mmh. Ça marche bien, la purée de... Ouais, la purée de l'ail, ouais. Non, déjà, j'en Ah oui, là, ça marche, c'est nickel, ça. Non, ça marche.
Oui, mais c'est mieux comme ça. Vous me parlez quoi? Ah. Vous voulez que je le fasse au couteau? Non, ça ira. On le termine comme ça? Ouais, c'est bon. Je vais faire avec, hein, ça devrait passer. En fait, donnez-moi le dernier, parce que je peux le faire. Juste le dernier, sinon vous allez vous faire mal aux doigts, chef. Vous savez que la main est l'outil principal du cuisinier. Ça, la main. Mais comme je ne suis pas cuisinier, cuisine, quoi. C'est pas très grave. Oui, mais vous êtes le chef quand même. Certes. Mais... Donc, oui, mais ça compte. Hein. Donnez-moi ça, je vais finir. Ne vous inquiétez pas. Regardez, ça y est, là. Très bien. Merci pour l'ail, ça fait plaisir, c'est parfait. Est-ce que vous voulez que je fasse autre chose en attendant que je sors le poulet peut-être ? Est-ce que ça se garde ça ? Oui, tout, ils ont tout. Ah ouais ? Parce que c'est pas vraiment pelé ça ? Si ? Enfin, c'est pas. C'est un peu des fibres. Ouais, parce qu'il fallait le. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez, chef. Je vais peut-être découper ça un petit peu, peut-être. D'accord. Voilà, bon, ça fait pas beaucoup. Non. Et en plus, je pense que je suis un sacré connard. Parce que normalement, il fallait mettre que 1 cm du gingembre. Et pas tout. Ah ben voilà, c'est bon, vous l'avez. Et j'ai mis peut-être un peu trop même. Non, c'est bien, bah bon, donc ça c'est pas la peine, on le jette. On le garde. On le garde. Tard. Non, mais en fait, il fallait 3 cm en tout dans la recette. Ah ben voilà. Il fallait mettre qu'un centimètre. Ah, et ça on le garde pour le réserve pour tout à l'heure. Ouais. D'accord. J'ai peur d'en avoir un peu trop mis. Mais, bon, mais mettez un peu là. Allez, un peu. Ouais, je pense qu'on va. Oui, on va le mettre. Voilà, on va le réserver. Voilà. On va garder ça de côté pour plus tard. Éventuellement, parce qu'il fallait que 1 cm, donc désolé pour cette erreur déjà. Chef, non, mais on commence mal, c'est ça qui m'énerve. Le poulet ? Comment ? Non, pas encore. Si, tant qu'on y est, on a qu'à, ouais. On prépare le poulet en premier et après on attaque pour la marinade, la sauce ? Comment ? On sort le poulet, on marine, on prépare le poulet. On va faire la marinade, ouais. Il nous faut 500 g de poulet, chef. C'est ça. Donc, si vous pouvez me passer une balance éventuellement, s'il vous plaît. Oui, après on peut être généreux, non ? Non, non. On n'a pas envie d'être généreux ? On pourrait, mais... Ouais, on pourrait, mais là ça fera plus 600... ça fera en plus, même d'ailleurs, ça fera 700 grammes. Ah oui, 500. 200 grammes de plus. Ouais. Allez-y, là, pesez. Enlever, c'est peser. Voilà. Donc, parfait. Voulez-vous, attendez. Ouais, de toute façon, ça va être mélangé, il me semble. Donc vous pouvez le faire là, hein, chef. Comme s'il faut peser. Ouais. Ah d'accord, vous faites la tare avec ça. Quand c'est en hausse là, ça va pas du tout. Voilà. Donc là on en est à... Bon, de toute façon c'était marqué sur la boîte, donc je suis un peu voilà. 454 grammes. Très bien. Si j'enlève la graisse, je le tare tout. Peut-être que... Ouais, vous voulez faire ça? Ah oui. Écoutez. Nettoyez quand même. Et je vous laisse faire ça avec grand plaisir. Désolé pour le tapage dans le micro. Ah. La poubelle de tablette là. Ah oh, c'est quelqu'un petite gorge éventuellement, s'il vous plaît. C'est pas qu'il fait soif un petit peu quand même. Ça vous dérange pas si j'ouvre un peu la fenêtre Vous pouvez, oui. J'ai quand même très chaud quoi. Je sens que vous avez chaud là. Après c'est vrai qu'il fait lourd, hein. C'est lourd, ouais. Le temps il est maussade, il est assez bizarre. Ouais. On a l'impression qu'on rentre dans l'automne là, hein, bientôt. Ouais. Hein. Merci pour la gorge. On a l'impression qu'on rentre un peu dans 5 années de galère quoi. Ouais. D'accord. Hein. À peu près, je pense que voilà. Les gens sont vont décider aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Voilà. Après, oui, on peut mettre un autre filet entier l'autre. Quoi. Ah oui, si vous voulez. 600 grammes, vrai, ouais. Je pense que ça ira. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, chef. Ah, merci pour la gorge, Estebanz. Ça fait plaisir. Voilà. Ah. Tout le monde va bien, sinon, dans le chat, là. Ça fait... Ouais. Ça va? Tout le monde va bien, en tout cas ceux qui sont là, ils vont bien, j'ai l'impression, non ? J'ai l'impression que les gens qui sont présents vont bien. Ouais. Ah, une gorge pour vous. Ah, c'est... merci chef. Merci El Chileno. El Chileno, ah, El Chileno. Merci beaucoup. Merci mec. C'est bon ? Ouais, c'est nettoyé. Est-ce qu'il faut le découper le poulet ? Comment ça se passe ? Ouais, je vais le découper, évidemment. Allez-y. En petits morceaux. Vous mettez ça dedans, vous intégrez déjà l'ail dans le bol, comme ça vous êtes tranquille pour découper le poulet peut-être. Non, attendez. Vous en pensez, vous, chef? Je pense que je suis tranquille. Déjà parce qu'il restait un nerf. Merci pour la mort. Un vieux nerf que je déteste. Ah, voulez-vous que je le fasse si vous détestez ça, chef, non? Alors je déteste le nerf, pas l'enlever. Et je comprends. Parce qu'il est quand même vénère, ce bâtard. Bien sûr. Bon, alors. Voilà. Parfait. Donc du coup maintenant on va découper donc le poulet en morceaux de 2 à 3 cm de côté, bon plus ou moins évidemment. Ouais. On fait ça un peu à visto de nous, comme on dit chez vous. On dit chez vous.
C'est le vaisseau des nazis, c'est italien ça? Non, c'est le... Du patois? Patois. Ah. Parce qu'on dirait un peu d'italien quand même. Ah, ben c'est des origines latines, hein? Ouais, mais là, italien quoi. Ouais. Alors, à combien voulez-vous couper le poulet? Alors, attendez, parce qu'il faut que je vérifie quelque chose. Ouais, allez-y, hein, vérifiez. Avec ouais, amis. C'est ça, donc on doit. Ouais, c'est attentif. Ça. Morceau de 2 à 3 cm de côté, donc okay. Ça va passer. Tiens, avec ça si vous voulez, peut-être. Oh, ça coupe. Ça, va, ça coupe. Ouais, ça... Okay. Il remplit bien son office. Il fait le taf. Il fait le taf, c'est ça. Il fait le taf, clairement, ça fait plaisir. Un peu grossièrement, on s'en fout, oui, c'est oui, pas, oui, pas oui. Très important. On n'est pas au millimètre près comme le gingembre. Non, au centimètre près d'ailleurs. Au centimètre près. Ouais. Ah, merci beaucoup, Suriver, pour les bits. Ah, merci pour les 1000 bits, ça merci. Fait plaisir. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus branché qu'à l'habitude parce que grâce au succès de l'émission notre chef ici bien-aimé m'a mis de côté un écran pour que je puisse lire en même temps. Parce que comme j'ai du mal avec la technique, il m'a mis à disposition des quoi. Grâce à tous vos dons, j'ai pu acquérir une tablette qui permet maintenant au second de vous suivre. Aussi, voilà, de suivre, de regarder un peu aussi. Voilà. Bon alors, ce n'est pas dit qu'ils comprennent tout encore. Non, c'est-à-dire c'est petit encore. On peut agrandir le trac, non? Non, je crois pas. Enfin, si on pourrait, honnêtement. Vous n'arrivez pas à lire, hein? Ça va quand même, non? Si, il faut que je m'approche, quoi. Ah, voilà, c'est sur Hiver qui a envoyé 1000. Ouais, 1000 bits, ouais, c'est ça. Parce que je excellent. Disais. Riverte, merci. Merci beaucoup pour les 1000 bits. On ne va pas trop vous interpeller parce que non, je sais que vous êtes attentif. Non. Donc, non. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Tout ce qu'on a à dire. Voilà, exactement. Voilà. Donc bon, continuons bien sûr. Voulez-vous que je continue avec l'autre morceau en attendant ou ça va? Bah écoutez, tenez, prenez un autre morceau. Voilà, vas-y. Okay, on en rajoute un peu. Voulez-vous que j'intègre live là-dedans? Non, parce que je vais m'occuper de ça. Il n'y a pas de problème. Ça, mais merci quand même de vouloir aider. C'est sympathique, en tout cas. Bien sûr, c'est un content de vous avoir. Un peu gras là, vous voyez, le sang là. Ouais. C'est pas bon ça, c'est pas beau. Alors, c'est pas que c'est pas beau, mais nous, on préfère nettoyer bien, la bien, bien édulcoré quoi. On n'est pas très. Voilà. On n'est pas très nerf tout non, ça. Non. C'est comme si le foie gras, on laissait la nervure, c'est pas agréable du tout, cher. C'est le même principe. Hein. Il faut savoir que c'est des escalopes du poulet. Exactement l'escalope de canard quand on fait le magret ou le foie gras. C'est-à-dire? Donc, il y a des nervures, il faut les enlever. Ah oui. Sinon, c'est pas agréable du tout. Bon, faut dire aussi que dans les préparations, bon, on va pas trop s'avancer, mais on va vous les montrer au fur et à mesure. Donc là, et tous les plats sont à base de. Un plat à base de marinade et les autres plats sont à base de repos. Hein, enfin, les trois doivent se reposer un exact. Petit peu. Et notamment ce qui concerne les chiznan. Donc évidemment, comme vous savez, nous sommes des êtres prévoyants, surtout le chef. Il m'a conseillé fortement de préparer à l'avance déjà la pâte. Alors attends, excusez-moi, juste, oui, chef. On nous a dit pour quelle raison ça s'appelle butter chicken. Alors comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est parce que c'est une recette à base de beurre. En fait, il y aura une sauce au beurre en fait. Voilà. Voilà, ce qui va permettre de faire ça butter chicken, finalement, c'est le beurre qu'on va ajouter dedans. Voilà. En gros, c'est ça. Mais en vrai, il n'y a pas tant de beurre que ça dedans. Non. Mais c'est le nom qu'ils ont donné. Écoutez, pour quelle raison exactement, je ne sais pas. Voilà. À ce moment-là, Google est votre ami éventuellement. Exactement. Alors attendez, donc maintenant j'ai coupé tout ça. On va mettre alors le yaourt brassé nature. Tout à fait, chef. Comme je les ai. Vous l'avez acheté. Comment? Vous les avez, chef? Je les ai. Parfait. Donc, celui-ci, on peut le réserver au frigo parce que c'est. Oui. Voilà. Ça marche, effectivement. J'enlève ça. Donc, du coup, dans le saladier, donc toujours le même. Hein, ouais. On va tout mélanger. Oui. Donc, du coup, le yaourt brassé nature qui est ici présent. Ok, chef. C'est bon. Ensuite. Voilà. Alors, voilà. Poule de table, s'il vous plaît. Poule de table, là. Oui, merci chef. Beaucoup, c'est très gentil. Parfait. Alors, attendez, que je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut mettre l'ail, s'il vous plaît? L'ail, tout de suite, chef. Voici. Merci bien. Voilà, donc, le yaourt nature brassé, bien sûr. Vous avez déjà goûté du nature brassé, vous? Non, mais je pense que c'est bon. J'adore ça, moi. Écoutez, je n'ai jamais goûté non plus. Tout ce qui est le fromage au blanc, yaourt, tout ça, je me mange nature, sans sucre, sans rien. C'est vrai? Oui. J'ai un peu de mal nature, je trouve que c'est un peu amer. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est un côté fluide, frais. Psychologiquement, j'ai l'impression que je suis en train de me faire du bien à l'organisme. Bah, voilà. C'est pas si faux, c'est pas mauvais. Hein. Ouais. Enfin, bon, c'est de la crème, et mais. Donc, je préfère ne pas rajouter du sucre, parce que j'en ai quand même pas mal dans le corps déjà.
Après, est-ce qu'on dit non à une petite crème caramel? Ah non, on dit pas. Enfin, oui, on dit oui. On dit oui. Oui, voilà. Une petite crème, bon, après, il faut pas exagérer. Oui, non, une, deux, petite, hein. Trois max, quoi. Voilà. On va pas... Vous pouvez le donner ouais. Ok, donc ça, c'est bon. On a mis le fameux yaourt. Voilà, donc là, on a ail yes. Écrasé, gingembre ouais. Râpé, 1 ouais. Cm, bien sûr, ouais. Pas plus, pas les 3. Hein. Sur les 3, 1 seulement. Pas l'erreur, d'ailleurs, je vois ce qu'on a mis, le reste. Il est il réservé. Oui, non, mais je me suis fait peur tout seul. Donc ça, c'est bon. On va ajouter, du coup, le garam masala, donc 2 cuillères à soupe. Voilà, qui sont juste là. Voilà. Ouais. Ça, voilà, 2 cuillères à soupe que j'ai déjà préalable mesuré. Une cuillère à café de paprika. Qui est aussi mesurée. Donc et aussi, aussi cuillère à café rayée. Voilà. Ouais, voilà, ça va, être une couleur, ça va avoir une couleur qui est normalement extra jolie. Les pots parce que je vais commencer à les, ouais, les réserver. Ça marche. Voilà, merci, chef. Avec plaisir, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Ouais. Le machala, c'est bon. Il faut une pincée de piment. Ouais. Donc on va... Le piment doux, bien sûr, hein, pas plus. On va pas abuser. Ah, piment doux, d'accord. Le piment doux, ouais. D'accord, très bien. En plus du reste. Voilà. Une bonne pincée. Ouais. Est-ce qu'on peut en mettre un peu plus? Tenez, celui-là, je le mets là. Bon, je vais le jeter parce que j'en ai mis un peu trop dans ma main. Et du coup, tout ça, c'est bon. Donc, on va mélanger tout ça. Donc, la petite crème. Voilà. En tout cas, voilà, nous faisons une cuisine jolie, sympa, avec du goût. Et comment on peut dire, presque familiale, hein, en tous les cas. On essaye. Voilà. On essaye de faire du familial. Comme d'habitude, finalement. Ah, oui, c'est une émission familiale. Oui, oui. Je pense qu'on peut le dire. Bon, il faut le dire parce que vraiment, familial, quand je lis ça, j'intègre tous ceux qui nous rejoignent à chaque fois et qui. Voilà. Ah, hein, bien sûr. Partie de l'émission. Évidemment. Voilà. Toujours. Donc, nous avons. Donc, voilà, donc. Magnifique. Le bon mélange. Ouais. Auquel on va ajouter du coup notre poulet qu'on va mélanger, c'est du yaourt. Ah oh non, puis... non, j'avais mis un peu d'ail là qui me restait. Ah, mais c'est du coup un peu le bout d'ail que je. Non, mais là c'était de yaourt que j'ai mis. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, pareil. Oui. Donc voilà, on ajoute le poulet du coup qu'on va faire mariner. Très bien. Combien tout simplement. Alors, ça va de une demi-heure à une nuit entière. Bon, on va dire qu'on va faire alors, une demi-heure. Tout à l'heure, vous parliez d'être prévoyant. Oui. Alors, bien. Je devais au départ le faire hier soir pour voilà, que ce soit mariné tout le temps. Mais bon, il y a eu des imprévus. On a été un peu. Voilà. Qui ont fait que je n'ai pas pu le faire. Mais. On a été pris par le temps. Voilà, exactement. Attends, je ne vous montre pas depuis tout à l'heure, enfin, vous ne voyez pas bien. Donc voilà, donc marinade donc à base de yaourt nature brassé, piment doux, paprika, gingembre râpé, ail écrasé yes. Et piment doux, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Oui, vous l'avez voilà, dit. Donc une fois que c'est bon, vous mélangez le tout pour que le poulet puisse bien mariner. Est-ce que vous pouvez m'apporter, s'il vous plaît, du film alimentaire? Film alimentaire. Pour pouvoir écraser tout ça et le laisser mariner ensuite. Film alimentaire, c'est comme si c'était fait, chef. Ça fait plaisir. Voici. Alimentaire. J'enlève la balance, je pense que vous n'avez plus besoin pour l'instant. Non, ça c'est très bon, merci. On va laisser là, c'est jamais. Ok, est-ce que vous pouvez éventuellement laver ça s'il vous plaît? Merci bien, ça fait plaisir. Alors, du coup, petit film alimentaire, vous connaissez la chanson. On va mariner, donc on va le coller au poulet bien sûr, pour qu'il soit bien, bien quoi. Bien comme il faut, chef. Voilà. Donc vous connaissez, vous mettez, vous appuyez sur les bords, vous remenez tout vers le centre. Il faut que ce soit écrasé dedans quoi. Voilà. J'ai raison, non? Vous avez raison, chef. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour une marinade, voilà. Donc vous écrasez le papier. Voilà, il faut le poser sur la marinade. Le film alimentaire sur la marinade, sur le poulet qui est dans la marinade. Et on va laisser reposer ça. Alors, est-ce que je le mets au frais ou pas? Je ne sais plus. Non, pas besoin, forcément. Si, au frais. Ouais, au frais. Voilà, vu la chaleur qu'il fait ici de la cuisine, c'est peut-être. C'est vrai, mais quand même, on va respecter les règles. Il va respecter quand même. Hein. Hop, voilà, donc la marinade c'est fait, le poulet est au frais, à reposer, donc ça fait plaisir, donc ça c'est terminé. C'est terminé. Donc voilà pour la première étape de notre émission culinaire et votre émission culinaire préférée bien sûr. On va ranger le gingembre. Voilà, donc ça laisse à mariner, on va une demi-heure, non on va attendre un peu plus d'une demi-heure je pense. Oui, ouais. Regardez l'heure qu'il est là. On va faire, dans le temps. On va commencer peut-être à préparer le reste. Est-ce qu'on fait, comment? La sauce, qu'est-ce qu'on fait là chef? Là maintenant on pourrait, ouais, non, la sauce on la prend un peu plus tard, ça va pas être. Oui, de toute façon, c'est ça, normalement, c'est, normalement ça va être pas, ça passera pas très long donc. Du coup, non, on va plutôt passer à la préparation des cheese naan peut-être. Non. D'accord. Ou non, attendez, qu'est-ce qui prend le plus de temps? Le cheese naan, alors en fait, si vous voulez, la préparation de la pâte est relativement vite. Rapide, ouais. C'est ce qui est rapide. Voilà, ce qui est plus long, c'est le temps de repos. Ouais. Ça demande entre 1 heure ou 2 heures. Donc. Évidemment, pour les besoins de l'émission, on a préparé une pâte, hein, la moitié des ingrédients, enfin des ingrédients que vous allez avoir tout à l'heure affichés là.
on a préparé la pâte donc depuis 8h30, donc à 10h30 à peu près. C'était 8h30 ouais. À 8h30, j'ai lancé. Non, 9h. 9h. Ouais. Donc à 11h, vous aurez la pâte ouais. déjà reposée. Mais là, du coup, on va quand même la faire pour. Mais là, on va vous montrer voilà. comment on fait la pâte. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut savoir que pour le Chiznan, c'est une. Il y a différents. C'est une pâte de base. Hein. C'est une pâte à pain. Et comme une sorte de galette très fine. Et on met le fromage dedans. Alors, cette pâte-là s'appelle Chiznan parce qu'il y a du fromage. Il faut savoir que l'Inde, c'est pas un pays où on fait du fromage. Et que donc, en fait, il paraîtrait qu'en fait, l'origine du cheese naan, c'est une origine, enfin, est née en France, dans un restaurant parisien indien. Et la personne avait fabriqué donc ces pestes de galettes, le pain, et où elle avait rajouté du fromage. Et c'est devenu un peu un plat après à thème, un plat, on va dire, à la mode, le cheese naan. Et généralement, ils font beaucoup ça, mais pour les touristes qui vont en Inde, plus que pour le plat mmh. traditionnel de l'Inde. Mais c'est un indien, effectivement, de Delhi. Après, il y a des naans de base. Quand après, c'est le pain voilà, classique. Le voilà. naan se fait de base depuis voilà. toujours. Et le fromage. Et le cheese naan, c'est plus pour aller. Voilà. Mais alors, de base, il y a le naan classique qui est la même galette. Voilà. Hein. C'est la même chose, même préparation. Plus la différence, ça, c'est qu'il y a un fromage parce au milieu. Et le fromage qui mettait des traditions, c'était la vache qui rit. Mais il y avait variantes, hein, mais la vache qui rit, c'est le fromage qui part. Ouais, alors ce que j'ai lu, c'est qu'ils voilà. mettaient souvent des fromages faits à la pâte de gruyère ou d'emmental. Ouais, voilà, alors je ne sais plus si c'est gruyère ou d'emmental, la vache qui rit, mais voilà, c'est un fromage à pâte d'emmental voilà. ou pâte de gruyère. En voilà. Fait. Donc c'est un fromage pâteux, peut-être qu'on peut le faire avec d'autres fromages. Ouais, nous par exemple. Voilà, allez-y. Oui, particulièrement, ouais. On a choisi le qui rit sans la vache. Voilà, le kiri parce que c'est à peu près le même type de fromage, même consistance. Mais c'est meilleur, je trouve, personnellement. Moi, oui, j'ai toujours préféré le kiri ou la vache kiri. J'avoue, le vache kiri, je trouve qu'il y a un arrière-goût un peu bizarre, j'ai jamais ouais. été fan de ce truc-là. Mmh, alors que le kiri, c'est plutôt doux et oui. c'est bon, surtout. Ouais, c'est très bon. Ça fait plaisir. Voilà. Que fait-on? Lançons la préparation. Alors, on peut lancer, on va vous ouais. montrer comment on prépare la pâte. Alors, ouais. il y a différentes façons de préparer. Donc, on a des styles. Bon, le tout, c'est qu'il faut que ça soit une pâte à pain de base. Qui demande du repos, voilà, c'est ça, il faut le savoir, qui demande du repos pour pouvoir la préparer. Après, la fabrication est quasiment toute complètement manuelle, donc il n'y a pas de souci. Il faut la pétrir par contre pendant à peu près 10 minutes, hein, que ce soit vraiment bien, parce qu'on met en fait de la levure sèche, donc la levure sèche, il faut qu'elle soit complètement intégrée dans la pâte. Alors, on va nettoyer le pain de travail incessamment. Exact. Et voilà. Et nous allons donc attaquer la préparation de la pâte. Alors, yes. que faut-il, chef? Dites-moi tout, vous qui savez tout, pour cette préparation. Un bol, déjà question. Ouais, un bol peut-être pour mélanger les trucs. Et alors, cheese naan, donc voilà, il nous faudra donc, de la farine, du sel, de la levure chimique, de la levure sèche, les deux, hein, attention, yes. du sucre, de l'eau, du lait, de l'huile, un yaourt nature, yes. Un demi-œuf, ou pas d'œuf du coup? Si, on va un demi-œuf. Un demi-œuf, oui, voilà. Et le kiri, du coup, après voilà. Le kiri, c'est à part. Mais pour la pâte, il faut tout sauf le kiri. Donc, voilà. On peut commencer. Ouais. On va commencer. Donc, on commence par verser donc, tous les produits secs. Donc, on envoie la farine. Donc, on a dit 250 g de exact. Farine ou un quart de kilo, comme vous voulez. Ensuite, nous allons ajouter à cela, il y avait du sel, du sucre et de la levure sèche, levure chimique. Ouais, les deux, voilà. Les deux. Donc là, tout a été mélangé. Donc, au niveau des doses, c'était combien? C'était, vous l'avez, c'était un quart de sachet de levure chimique voilà. et 2,5 g de levure sèche. Voilà. Voilà, donc vous l'avez là. C'est parti. Donc c'est intégré. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande d'autre? De rajouter de l'élan. Alors là, dans l'ordre, après, je ne sais pas votre recette, comment vous la préparez. Alors, je vous dis. Ouais, c'est beaucoup. Moi, je ne connais pas du tout. Donc je vous laisse faire. Donc, dans le bol, on intègre tout ce qui est les ingrédients secs, plus l'huile, plus le yaourt. Donc, un demi-pot de yaourt qui est là. Ouais, là, vous mettez tout là-dedans, dans oui, la oui, préparation. Oui. Okay. Voilà, tout à fait. Donc, on met le demi-yaourt. Alors, attention, c'est un yaourt nature, hein, des préférences. Hein, donc. Alors, il y en a qui mettent du yaourt beaucoup plus à la grecque, quelque chose comme ça, peu importe. Il faut qu'il y ait cette matière-là de yaourt qui apporte un peu un côté doux et suave à la pâte. Voici, donc, on a intégré ça. Nous allons mettre maintenant l'huile. Alors, en huile, on avait dit qu'il faut à peu près une petite cuillère d'huile.
on va dire une cuillère à café d'huile. Une cuillère à café d'huile, écoutez. Une cuillère à café d'huile. Attention, ouais. Soyons, voilà. Voilà. Bon, c'est soigné. C'est parfait, c'est soigné, c'est précis. Plus ou moins. Voilà. Plus ou moins précis, soigné. On mélange un petit peu. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment la préparation d'une pâte à pain. Hein. C'est... Il n'y a pas de souci. Après, il faut gérer la quantité. Alors, on demande, on fait, là, on est en train de finir les ingrédients. On va mettre un peu d'eau et un peu de lait. Donc, à température ambiante ou tiède, tout dépend, peu importe. Donc là, j'ai mélangé les quantités que nous avons demandées à la recette, donc entre l'eau et le lait. Et on va commencer à l'intégrer gentiment dans la pâte. Voilà, pas trop, pour commencer à faire ça. Voilà. Voilà. Donc, il nous restera quand même à ajouter le demi-œuf qui était au préalablement battu. Ça, c'est plus simple pour pouvoir le travailler. Voici. Donc, voilà. Après, évidemment, vous avez les mains propres et dépourvues de tout bijou, quoi que ce soit. Et vous pouvez mélanger à la main comme on fait traditionnellement là-bas ou ici. Là. Dans tous les cas, que ce soit là-bas ou ici, il faut que ce soit quand même propre. Donc, voilà. Vous avez donc là le début de la pâte qu'on va commencer à pétrir. Voilà. Il faut que ça reste une pâte quand même un peu élastique, pas trop sèche, pas trop humide non plus. Donc c'est pour ça d'où l'intérêt de mettre le liquide au fur et à mesure. Et l'avantage de travailler et pétrir la pâte à la main, c'est qu'on sent justement la consistance. Alors que quand on la remue avec une cuillère ou une spatule à bois, on a du mal à percevoir, à sentir la qualité de la pâte, la texture que l'on souhaite. Donc là, vous voyez, donc là, ça sèche un peu. Donc, on rajoute au fur et à mesure, il ne faut pas se presser. Voilà, le liquide prévu à cet effet. Voilà, chef. Très bien, hein? Écoutez, donc, beau gosse, hein, tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, donc là, ça va être un kilo. Voilà, vous voyez. La pâte, c'est pas compliqué. Hein. Après, c'est bon, il faut la pétrir. Hein. Non, il faut pas hésiter. Il faut pétrir la pâte. C'est très beau ce que vous faites. Merci, chef. Très beau. On sent qu'il y a du vécu. On sent qu'il y a du vieux. On sent le vieux cul. Ouais. Oui. Comment voilà. Qui a dit ça? Voilà. Vous voyez. D'ailleurs, voilà. Si quelqu'un est déterminé à envoyer des petites gorges, oui, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, chef. Vous voyez. Donc la pâte là. Allez, finalement, ce qui a été prévu en quantité d'eau et de lait. Est-ce que ce cher Thibaut se trouve sur le chat? Est-ce que ce cher Thibaut est-il là? Si tu es là, réponds-nous. Thibaut, si tu es là. Si tu es là, dis-nous. Dis-le nous. Manifeste-toi. Manifeste-toi, c'est ça. L'esprit de Thibaut? C'est ça, l'esprit de Thibaut, s'il est là. Manifeste-toi. Voilà. Merci, il y a l'esprit d'une personne ici. Merci. Alors, souris verte, t'as lu dans mes pensées parce que j'avais demandé une gorge justement et elle l'a envoyée avant même que je puisse parler. Voilà, donc là nous avons la pâte. Merci, non, merci, remercie. Et donc là, il ne faut pas hésiter à commencer à la malaxer, chef, hein, la pâte. Hein. Ouais. Ah oui. Bah, écoutez, je vois que vous faites ça plutôt bien. Elle n'est pas trop. Humide là la pâte? Non, elle va sécher. C'est normal, c'est vrai. Elle va sécher là. Au fur et à mesure qu'on la pétrit, la farine, tout ça, elle va pomper le côté liquide. Il n'y a aucun jugement. Tout à fait, mais la question est très pertinente, chef. Je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Je me dis, va-t-il me la poser? Est-ce que je vais pouvoir répondre? Ça, c'est le problème. Des fois, on ne sait jamais si on peut répondre ou pas aux questions. Voilà. J'essaie de faire les questions claires, nettes, précises généralement pour qu'on puisse me répondre correctement. C'est pas toujours facile, je peux l'admettre. Absolument. Mais même. Voilà, chef. Mais qu'on fasse attention quand même à comment on parle. Tout à fait. Parce que sinon, après, moi je m'énerve et quand je m'énerve, bon, c'est comment ça se passe. C'est pas la peine. Donc, je vous rappelle, enfin, pour l'information, dans cette pâte, elle est composée de farine, composée d'un peu de sel, d'un peu de levure chimique, d'un peu de levure sèche, boulanger, et d'un peu de sucre. D'un peu d'eau, d'un peu de lait, d'un peu d'huile, d'un peu de yaourt et la moitié d'un œuf. Et voilà, et nous avons fait ça. Là, il ne faut pas de la farine pour l'étaler, vous l'étalez à même le. Oui, mais là, on ne va pas l'étaler maintenant, justement, on va la pétrir. Oui, vous la pétrissez à même la table, il n'y a pas besoin de farine. Non, là, elle est bien, okay. Elle ne colle pas. Donc, ouais. On met de la farine généralement quand ça s'accroche à la table, ça reste un peu pégueux. Ouais. Là, ce n'est pas le cas. Hein, non, donc,
Là, voilà. Alors, ceux qui ont la machine pour pétrir, ça va très bien, hein, c'est fatigant pas. Ouais, le robot, c'est vrai que c'est quand même une belle chose. Peut-être qu'un jour, on l'achètera. Je pense qu'on va l'acheter. Hein. À un moment donné, il va falloir quand même, parce que là, on devient quand même professionnel. En plus, comme on s'inspire souvent de recettes d'autres gens et que souvent, ils utilisent des robots, on se dit bon. Et voilà. Quoi, la cuisine, c'est accessible, mais bon, avec un peu d'argent quand même. Quoi. Voilà, exactement. Il faut avoir le matos quand même des fois. Mais... c'est vrai que l'avantage du matos, c'est que, bon, au-delà du fait qu'il faut le laver après, hein, ça c'est le seul inconvénient, il est vraiment très pratique. Hein, c'est pratique, ça aide, ça va plus vite, mais c'est pas obligatoire non plus. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui se fait avec un robot, on peut le faire à la main, ça prendra plus de temps, ce sera plus compliqué, mais c'est possible quand même. Quoi. On peut dire qu'en Inde, par exemple, ils n'ont pas des robots, hein, ils font ça à la main, donc pourquoi pas. Là, c'est la façon traditionnelle de préparer. Dans les restaurants, ça dépend où on fait ça. Hein. Mais après, traditionnellement, ça doit se faire à la main. Après, du nom qu'ils doivent faire, elle est belle, cette pâte, elle semble bien souple. Oui, ouais, ça, c'est un commentaire de Survivor que j'ai l'impression, non ? C'est une belle pâte, ça fait plaisir. Voilà, là, donc bien tranquille, hein, quand on fait des pâtes, je vous l'ai toujours dit, c'est il faut être patient, il faut y aller, prenez votre temps, la pâte, elle adore qu'on la pétrisse, qu'on la caresse, qu'on lui donne une forme, une texture. Est-ce qu'elle adore vraiment ça? Plus vous la préparez manuellement, plus elle va vous rendre, le rendu va être magnifique. Vous allez voir, cette pâte, elle va gonfler, elle va être magnifique. On vous la montrera d'ici midi, hein, pour avoir bonne année. Voilà. Vous voyez, chef. Donc là, vous avez une belle pâte bien pétrie. Vous voyez. On enlève le petit morceau qui colle à la main. Bien vu. Voilà, vous voyez. Hop. Et on n'a même pas eu besoin d'étaler un peu de farine pour l'étaler, enfin pour la pétrir. Et elle se fait toute seule. Ça, c'est fort, ça. Oui, chef. Voilà. Donc, nous avons la pâte. Donc, encore une fois, je vous dis, hein, c'est vraiment la classique pâte à pain avec des ingrédients en plus, hein, comme le sucre, comme l'œuf. Voilà, hein, une pâte à pain, généralement, s'il n'y a que le levure, le sel, l'eau, c'est terminé. Un peu de matière grasse éventuellement, mais c'est vraiment la base, c'est trois ingrédients, quoi. Ouais. Voilà. À peu près, quoi. Donc, voilà. Vous voyez, donc la pâte, elle est prête. Hein. Tout va bien pour le meilleur de mon chef. Regardez, est-ce que vous voyez ça? C'est une belle pâte. Voilà, regardez comment elle est belle. C'est une belle pâte. Ah, c'est. Voilà. C'est une belle pâte. C'est une pâte. Honnêtement, hein, c'est une pâte sûre. Mais c'est une belle pâte, surtout. Voilà, regardez. Vous voyez, elle revient toute seule. Elle met le temps, mais elle revient. Oui, parce que voilà, là maintenant, elle va lever. Et effectivement, comme le chef a dit le mot, elle va mettre du temps. Donc, c'est 1h30, 2h minimum pour qu'elle devienne belle. Voilà. Donc, on a fait une petite boule, chef. Exact. Que je replace sur son bol. Ouais. On va la couvrir avec un film alimentaire. Absolument. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça commence. Voilà, ça c'est vitesse et précipitation, chef. Ça c'est les nerfs. Voilà. Et donc on couvre ça tranquillement. Et on va laisser à température ambiante, contrairement au poulet qui vaut mieux mettre au frais, même quand pour mariner. Et voilà. Et donc il est, on va dire, 10h30. On va avoir ça vers midi, quoi. Là, pour voir où ça met. Voilà. Ouais. Mémoriser donc la boule, hein, pour tout à l'heure, pour voir la différence. Exact. Voilà, ça c'est fait, chef. Très bien. Donc, la réalisation. Préparation exterminée. Voilà, donc, exactement. Bravo à vous tous. Bravo, merci d'avoir suivi cette préparation de la pâte à tisane. Yes. On vous montrera, la pâte à nane, du coup. On vous montrera tout à l'heure comment on fait le tisane, justement. Incorporer le fromage. Retourner. Ouais. Étaler. Absolument, on va faire un super truc, vous allez voir, chef. Hop, bam, poêlé, gonfler un petit peu, tac, croqué, fromage coulant, filant, le top. Voilà. Tourbillonnant. Oui. Comme ça, là. Et c'est parti, quoi. Et c'est parti. Bon, voilà, je débarrasse un petit peu, chef. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et on va commencer à attaquer la suite. Peut-être votre dessert, je sais. Voilà, on va lancer le dessert. Et exactement. Moi, de toute façon, moi, mon poulet, il est en train de mariner tranquillement. Exactement. Donc, on va le laisser jusqu'à un peu plus tard. Quand même. Une bonne lumière, là, une heure et quart. Hein, parce qu'après, ça va vite, hein, je pense. Alors, il faut que je prépare la sauce d'abord. Voilà. Mais la sauce, si on la fait à deux, ça va aller. Ouais, concrètement, je pense que ça pourrait le faire. Concrètement, ça peut le faire. Alors, ensuite, chef, on va attaquer. Yes. Ouais. Donc, le dessert, la préparation de dessert. Alors, pour ce dessert, on va afficher pour vous les ingrédients. Alors, c'est un dessert qui est fait à base de lait, de
Du lait en poudre, du lait liquide, hein. C'est hein, pour donner une consistance, de la farine bien sûr, de la semoule fine, hein, très fine, hein, et on la trouve partout dans le marché. Hein. Donc farine très fine, bicarbonate de soude, de sodium comme on veut, et on va faire ce qu'on appelle un peu, alors soit on le fait avec un beurre clarifié, ou alors tout simplement on ajoute de l'huile végétale hein, pour faire la différence, mais il n'y a pas de souci, pour ça, ça c'est au choix. Donc nous allions faire avec le beurre clarifié, mais nous l'avons plus, comment dirais-je, bruni, parce que c'est très compliqué à faire un beurre clarifié, il faut le surveiller, c'est un feu très très doux, il faut attendre que ça se sépare, à la crème, à la levée, donc c'est pas évident, on a essayé de le faire, on n'a pas réussi, donc ça vous dit clairement, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. On peut dire. Donc on fera ça avec un peu d'huile végétale, ça fera l'affaire quand même. Donc voilà. Et on va commencer à préparer la pâte. Alors, attendez, vous parlez là de pour, pourquoi pour le... Pour la pâte de dessert. Après, il y a la préparation du sirop. Vous ne pas avec du beurre oui, c'est ça. Oui. Oui. Je vous ai parlé d'huile végétale. Oui, mais c'est en fait, c'est... Parce qu'en fait, ça, c'est le... Comment on appelle ça? Le ghee, c'est ça? Ghee ouais, fondu. C'est en fait, ghee, c'est ouais. Le beurre fondu, mais qui est clarifié. C'est ça que je veux ouais. Dire. Oui, mais est-ce que c'est obligatoire? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser du beurre si on n'a pas de ghee normal? Il faut que le beurre soit liquide, en tous les cas. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc on peut éventuellement le faire en ouais, ouais, non, mais après, c'est une question. C'est une bonne question. Et comme on s'est dit voilà. Il faut qu'il soit liquide et froid. Parce non, mais je vous ai comme, en ce moment, il y a un petit peu des ruptures d'huile dans les magasins. Ah, ouais, il faut s'acharner sur le beurre. Voilà, est-ce que le beurre, c'est pas, voilà, les Bretons voilà. En action, quoi, ils vont voilà. s'en mettre plein les poches. Exactement. Les boulonnais, c'est eux, voilà. Mais, bien joué à eux, en tout cas. Mais voilà, donc du coup, bon, donc on peut mettre de l'huile à la place, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Très bien. C'est ce qu'il faut retenir dans l'explication du chef, là. Très bien. Explication. Bah écoutez, que voulez-vous lancer du coup? On va se lancer carrément. Ouais. Bah écoutez, allez-y. On va prendre un petit bol pour faire ça. Un petit bol. Allez, ça fait plaisir. Ouais. Voilà, quand on y réfléchit. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. Un petit bol, on va le faire avec un petit bol transparent pour s'en voir. Voilà, on va le mettre là-dedans, chef. Et donc, on y va pour la préparation. Qu'est-ce qu'on met dedans, chef? Bonne question. Bonne question. Du coup, comme vous disiez, il faut du lait. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc, dans ce cas, le lait, donc là, dans un bol ici, on va donc mettre tous les ingrédients secs. Donc, on va commencer par là, vous avez le lait en poudre, voilà, qu'on intègre dedans. Nous allons mettre la semoule fine. Qui est là, donc vous avez les ingrédients qui sont affichés sur vos... Quel est le premier ingrédient que vous avez mis, pardon? Le lait en poudre. C'est de lait en poudre, ça? Oui. J'avais jamais vu de lait en poudre, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? La farine, vous l'avez là. Voici. Vous avez donc, après, le bicarbonate, pardon, la levure chimique, hein, le sodium. Hein. Bicarbonate de sodium, pardon, excusez-moi. C'est le bicarbonate de sodium. Et vous avez un petit peu de lait qu'on va mettre au fur et à mesure. L'huile, donc on avait dit qu'on va y mettre de l'huile à la place du beurre clarifié et pour ça il nous faut une cuillère à soupe. On est d'accord chef? Écoutez, c'est vous qui savez. Voilà, une cuillère à soupe. Donc on va verser. Vous entendez peut-être des pigeons qui font du bruit dehors là? Ouais, c'est les pigeons ça chef? Big Bastard. Tous les oiseaux sont des pigeons. Faut partir sur ce principe. Voilà chef. Donc nous allons pétrir. Donc on a mis ça et on va commencer à pétrir gentiment le mélange comme ça à la main bien sûr. Ouais. Voilà. Et on va ajouter, voilà, une fois que c'est bien mélangé. Qu'est-ce qu'on ajoute? On va ajouter le lait au fur et à mesure. Très bien. À peine, parce qu'il ne faut pas. C'est bon? Ouais, il ne faut pas que ça reste à queue. Merci. On dit. On dit. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ça avance tout bien. Ça va, ouais, il faut que ça reste une petite pâte. Attendez. Un chouïa de plus, chef, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, ça va très vite, hein. C'est assez précis. Il ne faut pas que la pâte elle soit trop. Trop pâteuse. Voilà. Ouais. Hein, il faut juste qu'elle. Une pâte qui n'est pas pâteuse, ça c'est quand même un comble. C'est-à-dire que, voilà. Vous voyez, ça c'est pas mal ça.
D'accord, c'est quoi, une sorte de pâte sablée qu'il faut ? Voilà, une sorte de pâte, exactement, chef, vous avez tout, waouh. Voilà, c'est exactement ça, c'est une pâte sablée, ni plus ni moins, mais avec des ingrédients différents, mais c'est, ça revient exactement à la misma cosa. Hein. D'accord. Est-ce que, du coup, besoin de mettre plus de fin du lait ou pas ? Non, non, c'est bon, parce que là, c'est bon, bien. Vous voyez ? Écoutez, parfait. Voilà, donc la pâte, elle est faite. C'est... Alors, on va dire, oh, s'il n'y a pas beaucoup, hein, mais effectivement, mais après, avec ça, on va faire des boulettes. Hein. Voilà. Ça fait peu, ouais. Ouais, ça fait peu, mais c'est comme ça. C'est pour combien de personnes ? C'est pour moi. Pardon, non, non. On va faire des petites boulettes après, vous allez voir. Il y a un bruit là, j'ai pas compris. Non, je vous explique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, d'ici là, on va laisser la faire tranquillement pendant 15 minutes, hein, le temps qu'on fasse le sirop. Je sais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette pâte-là ? Après, elle va commencer à gonfler un peu. Et quand on va la frire, parce qu'en fait, on va faire des boules et ces boulettes-là, elles vont aller à l'huile, pas bouillante, mais chaude. Elles vont frire. Et après ces boulettes-là, on va laisser tremper, arriver dans le sirop. Et là, elles vont gonfler grâce à un merveilleux effet de la levure et de la, enfin de la bicarbonate de sodium et de la semoule qui gonfle. Ça va gonfler à la cuisson. Voilà. Ouais, alors c'est pas vraiment la cuisson, c'est dans le sirop. Pas la cuisson dans le sirop. Ouais, voilà, elle va s'imbiber, elle va gonfler. Ça va là, c'est ça. C'est normal. Alors attendez, hein, là je vous dis c'est un challenge hein, et on a fait un pari, donc j'espère que ce challenge va. Il faut le couvrir quand même pour le laisser protéger, donc mettre des films alimentaires. Ok, hein. Très bien. Qui était quelque part là-bas. Quelque part, ouais, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est fait, hein, chef. Voilà. C'est fou, hein. On avance très vite aujourd'hui. On est bon, chef. On avance peut-être même trop vite. Ah, vous croyez ? Bah, il est 10h45, hein. Eh bien, attendez, hein. Après, il faut préparer les nanes, il faut préparer le fromage, il faut l'étaler, il faut le faire. Ouais. On va en faire qu'un seul, ça va aller vite. Ah oui, on va faire un nan, on va faire deux boulettes au moins pour goûter. Des boulettes. Et du coup, bah écoutez, je pense que je vais me lancer dans la préparation de ma sauce pour le poulet, je pense. Hein. Voilà, attendez, moi ce que je prépare, si vous voulez, non, on va faire la sauce d'abord et après on fera le sirop. Sirop. Ensuite, ouais. D'accord, donc vous, là vous voulez faire le sirop maintenant là ? Il est. Après le sirop, il faut qu'il soit froid ? Et non, parce qu'on va le réchauffer après. Donc on le chauffe une fois, on le fait cuire, après on le retire et on va le réchauffer pour Lancer le sirop. Hein ? On lance le sirop ? Allez, vas-y. On lance le sirop. Ouais. Alors, je ne me souviens plus comment c'était le sirop. Alors, j'ai déjà essayé de faire des gulab jamun et ça a été une catastrophe à la cuisson. J'attends de voir le résultat avec impatience. Bah, écoutez, on verra bien comment ça rend, ce que ça donne. C'est sur Hiverte65 qui nous fait le commentaire. On verra si c'est. Oui, si on a lu. Ouais. Alors, chef, si vous avez la recette écrite, on peut comme ça. Oui, pour faire le sirop. Parce que, ouais. Et le sirop. Dommage. Attendez, on va plutôt mettre sur le format du coup. Alors, c'est ça ? Le sirop. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le sirop, il faut 200 ml d'eau ou alors 2 verres d'eau, quoi. Donc, on va faire. Comment ça ? On va le peser ? Ouais, vaut mieux le mesurer, ouais. On va le mesurer tout de suite. Exact. Ça, on n'est pas. Non, on va le mesurer, on va prendre un verre-doseur. Ah oui, pour 200. Allez, ben, ça marche. Ouais, comme oui, ça, c'est vous avez raison. Je vais le faire. Quel apprenti que je fais, hein, chef ? C'est vrai que parfois je me demande un peu. Vous demandez vous aussi que ce que vous estimez. Qu'est-ce qu'on fait-on quoi ? Voilà, je vais peut-être m'énerver un moment. Voilà, mais... le chef il va commencer à s'énerver. Là, ça ne va pas le faire du tout. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, et de l'eau, mais il faut donc. On a dit... Au froid ou au tiède ? Hein ? Au tiède, au froid ? Là, il n'y a pas de. Au froid, deux verres d'eau. Ok. Deux verres d'eau, au dos, ou 200 grammes de. Deux verres d'eau, voilà, deux verres d'eau. Ça va ? Vous faites une syncope, c'est bon ? Deux verres d'eau. Là. Attendez. On est précis. Le chef, il précise le grammage, enfin le dosage. 200 ? Le dosage. Alors ? Le dosage. Attendez. Dose. Je précise le dosage. Ici, c'est le dosage. Parce qu'en fait, c'est 200. Voilà, c'est ça. Pour 200 grammes de sucre, c'est 200 grammes. Ça va le faire. Je vais y arriver. Vous y êtes, hein ? Attendez, on y est presque. Attention, la pâtisserie, c'est une science bien précise. On y est presque. Hein ? On y est. C'est bon. C'est bon, et voilà. Donc. 25 Merci litres, chef. Voici. Donc, peut-être mettez-le à la caméra pour que ça puisse se voir quand même. Voilà, on va le virer. Non, ouais, oui, je souris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est le citron. Ah. Il y a du citron qui va dedans. Donc on y va. Ouais. On met donc l'eau. Ça c'est bien. On va mettre le sucre. Il y a de l'humidité dans l'air, chef. Hein. Comment ? Il y a de l'humidité. Ah ouais. Non. Si, parce que le sucre est figé. Oui, c'est vrai. Voilà. À ça, qu'est-ce qu'on va ajouter à ça, chef ? On va mettre le jus de citron. Ouais. Ouais. Allons-y. Ouais. Là, c'est. Ouais. Ça fait ça. Voilà.
Donc voilà. Vous avez c'était, c'était un quart de jus, c'est ça? Voilà. Un demi. Ouais, non, un demi. Voilà. Jus d'un demi citron, ouais. Voilà. Demi. Hop, c'est fait. Donc ensuite, on va mettre 4 cardamomes. Voilà. Ouais. Ça, on le trouve dans le marché, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour montrer, de toute façon. Alors, normalement, ce sirop-là, il est fait à l'eau de rose. Mais comme on n'en a pas, on va proposer de fleurs d'oranger. Un chouïa, c'est pour parfumer, donner un parfum. Hein. C'est pas pour donner du goût. On est bien d'accord, chef. Ouais, on en met peu, ouais, quand même. Donc, on va mettre, regardez, un petit bouchon. Même pas. C'est histoire de donner un peu. Voilà. Ouais. On va pas tout mettre. Voilà. Est-ce que c'est compris, chef? C'est bon, là. Est-ce que vous avez suivi? Donc, voilà. Et c'est tout. Alors, généralement, ils mettent un peu un colorant pour donner un peu un côté rouge, tout ça, ocre. Mais on ne va pas le faire parce qu'on n'en a pas. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. On peut mettre éventuellement une pointe de curcuma ou de safran, mais on n'en a pas. Non. Curcuma, je pense que oui, mais bon. Voilà, mais le chef, il est un peu réticent à ça. C'est vous, le boss qui avait dit que vous ne vouliez pas. Voilà. Et voilà. Donc, c'était pour faire plaisir au chef qui avait dit ça. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, là le sirop est prêt, on va le lancer. Ouais. Hein, on va le lancer tranquillement à feu doux. C'est ici de m'accabler aujourd'hui. Comment? C'est un sabotage apparemment, c'est de me faire passer pour le méchant, j'ai l'impression. Non chef, non, vous êtes bien, vous savez que non, vous êtes très très, très gentil. Je sais, mais voilà. Donc, les gens ne le savent pas, forcément. Voilà, tout ce qu'il faut. Et on va laisser tranquillement. Si quelqu'un me donne un petit peu d'eau d'ailleurs. Dès que le sirop va commencer à bouillir, on va le laisser 2 minutes à ébullition et on va l'éteindre et on va le couvrir. Voilà l'idée principale, chef. Hein. Ouais. Voilà. On viendra de temps en temps remuer. Voilà, chef. C'est fait. Exact. Et voilà, on a lancé le sirop, donc on est bon. Donc on est bon. D'accord. Et si jamais quelqu'un toujours une petite gorge, n'hésitez pas. Une petite gorge pour moi aussi. Et puis voilà, et on va pouvoir attaquer donc la suite, chef, tranquillement. Le sirop chauffe, pour du coup, donc on va laisser le sirop faire d'abord. Ouais. Parce qu'on voulait faire le sirop, donc on va le laisser finir. Hein. Bien, chef. Donc, ouais, on a dit que le sirop, donc, pour vous expliquer rapidement, on a mis tous les ingrédients et on va le laisser donc bouillir pendant 2 minutes. On le retire du feu. Et puis on va le couvrir, on couvre la casserole et on laisse tranquillement patienter. Ensuite, après, on va commencer à préparer les boulettes au bout de 10 minutes. Donc, effectivement, hein, dans 10 minutes, on pourra faire les boulettes si vous le souhaitez. On va les constituer, on va les laisser prêtes, mais on ne va pas les faire prêtes tout de suite. D'accord? Ça marche. Et après, on va attaquer, si vous voulez, la petite gorge. La sauce pour moi aussi, chef? Petite gorge. Yes. Et après, on va attaquer la sauce donc, pour le poulet. Ouais, une fois que, comment ça s'appelle déjà le plat du poulet, chef? Faut pas le surveiller un peu, le sirop? Je vais aller voir tout de suite, chef. Tout de suite. C'est pour pas qu'il brûle, quoi. Non, ça va. Je vais le remettre un peu. Et combien de temps le sirop faut le laisser Dès que ça commence à bouillir, on laisse 2 minutes et on l'arrête. Donc, d'ici 5 minutes, à mon avis, ça va commencer. Hein. 5-10 minutes, ça va aller? J'imagine. Bon, voilà. J'imagine. Voilà. Ça sent bon, hein? Ça sent bon la fleur d'oranger. Voilà. C'est vrai, ça sent bon, là. Ouais, ça sent bon. Ouais. La pâte des gulab jamun doit reposer combien de temps? 10 minutes, c'est ça? Quelle pâte? Des gulab jamun. Ouais, 10 minutes. Voilà, là, ça fait 5 minutes parce qu'il va finir moins 10. Enfin, je pense que l'heure est là. Là, il est moins 10. Ouais, bon, voilà. 11 heures, hein, le temps que. Ouais. On va préparer les boulettes. Alors, il faut faire très attention parce que les boulettes qu'on va faire, il faut qu'elles soient vraiment bien lisses de partout. Il ne faut pas qu'il y ait une fissure. Dès qu'il y a une fissure, quand on la lance à la cuisson au niveau des villes, ça se délite et c'est parti en live. C'est là qu'on va rigoler, cochette. Ou pas. Rigoler, je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas rigoler, mais bon, en attendant, ça va pas être, ça va être un peu une sacrée partie de. En attendant, que tout ça boue. Il va falloir nous peler un oignon, si possible, s'il vous plaît. Je voulais vous laisser faire ça. Tout de suite, peler un oignon et le couper en petits morceaux, voilà, parce que là, je vais me lancer dans la préparation de la sauce du butter chicken. Ça marche.
Voilà, donc, je laisse bien sûr la responsabilité de l'oignon à mon cher second. Aux gens qui aiment l'oignon, voilà, vous aux gens, aux gens qui ne brûlent pas de la tête quoi, quand ils font de l'oignon. Tout voilà. À fait. C'est-à-dire lui, parce que moi je meurs. Voilà, voilà, vous préparez le sirop. Voilà, là il commence à avoir des petites bulles là. Voilà, là vous baissez un petit peu. Enfin, dès que ça commence à bouillir, vous baissez un peu, vous laissez 2 minutes hein, et après vous la levez du feu et vous le couvrez. Bah alors, vous regarderez sur la caméra, vous me direz si vous pensez que c'est bon. D'accord, là pour l'instant. Là ça fait des petites bulles déjà, mais. Oui, une petite, c'est pas encore. Là on vous montre pas l'image, mais il est juste en train de découper un oignon quoi. Voilà, donc voilà, rien qu'on n'ait jamais fait rien en live. Rien de passionnant quoi. Ouais, qu'on l'ait pas fait avant. On l'a déjà fait en live donc de toute façon. Voilà, il faut juste vous dire que l'oignon je le coupe en 4. Une fois coupé en 4, je vais le hacher. Là on est sur de l'ébullition là, non? Là on est sur l'ébullition, donc baissez la flamme. Là je baisse maintenant là. Un petit peu et vous le laissez pendant 2 minutes. Feu doux? Pas beaucoup, hein, voilà. Ça, voilà. Pendant 2 minutes vous pourrez remuer. Feu doux ou feu moyen? Non, comme ça c'est parfait, vous l'avez mis bas là. Ok, et là je remue? Oui, parce que là ça coule, vous voyez. Donc pendant 2 minutes jusqu'à. Là je remue? Ouais, vous le laissez comme ça, je pense que c'est bien. Ouais, donc là je laisse à feu moyen, ouais. Un feu doux et ouais. On l'attend. On attend 2 minutes. Deux minutes après, vous le couvrez et puis. On le toujours sur le feu? Et vous éteignez le feu, voilà. Ah, là, on laisse bouillir 2 minutes. Ouais, une fois que c'est bon, vous éteignez le feu et vous le couvrez. Voilà. Très bien. Bon, je peux faire ça. Et voilà, chef. Donc là, je vais vous préparer les oignons. Yes, ça fait plaisir. Non, mais bon. Alors ouais, donc pour la recette, normalement pour les oignons, il faut les couper en fines tranches. Voilà, mais le chef, mais, comme j'aime pas ça, alors je veux bien qu'on ait le goût, mais si j'ai la texture, bon, ça va pas faire du tout. Ouais. Du coup, j'ai demandé au second, en amont, de me couper ça en petits morceaux, enfin, hachés quoi, clairement, pour qu'il y ait le goût malgré tout, parce que je sais que lui aime bien l'oignon. Ouais. Et pas avoir la texture, parce que la texture de l'oignon, c'est quand même la pire chose, qu'on se le dise bien clairement. Alors attendez, parce c'est que... Vrai. Ah, il y a eu des gorges, pardon. Une gorge pour vous de la part d'El Chileno, et moi j'ai deux gorges, une de El Chileno et une de Thomasson by. Thomasson, allez. Merci beaucoup. On est bon, chef. Bien bon, ça, Thomasson. Ça fait plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est là? À peu près là. Donc je pense que les 2 minutes sont passées. Non, non, pas, non encore. Pas encore. Et quasiment. Oula. D'accord. Quelques secondes. Quasiment. Quasiment. Voilà. Donc j'éteins le feu, hein. Oui, allez-y, chef. Vous éteignez le feu. Vous voilà. Vous réservez. Enfin, vous couvrez. Vous laissez là. J'attends totalement et après je fais ça. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Tac. Hop. Et on couvre. On couvre. Parfaitement. Okay. Voilà. Donc ça c'est bon. Ouais. Ensuite, on donc là je repasse sur le plan main, voilà, pour vous montrer couper les. D'ailleurs attendez. Peut-être à la caméra c'est mieux. Tout à fait, chef. Allez-y. Voilà. Donc je hache. C'est qui là? C'est la Pogba ça? C'est qui là sur. Ah pas Koulibaly, pas du tout. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ça on voit très mal sur cet écran bizarre. Ah. Mais bien joué ça. C'est vrai que t'es VIP toi, j'avais oublié ça. Bien joué Thomasson by. Bien joué pour un petit VIP. Tu serais pas un expert toi? Tu serais pas le master mec? Alors attendez parce qu'ensuite... Alors il y a des machines, hein, on peut faire beaucoup plus subtil au niveau du haché là, de l'oignon, mais bon. Aucune idée mec. C'est vrai que le travailler à la main c'est bien aussi chef, hein. Oui. Moi j'aime bien moi. Hein. Alors attendez parce que... Bon, j'ai essayé d'arnaquer tout à l'heure. Comme tout le monde ici le sait, je n'aime pas l'ail non plus. Voilà. Normalement, dans la recette, il fallait un peu plus d'ail. Moi, j'ai mis moins parce que j'aime avec moins. Ouais. Mais du coup, en fait, au lieu de mettre une seule gousse d'ail tout à l'heure dans la préparation de la marinade, j'ai mis les deux. Tout à fait. Donc c'est bon. Mais normalement, il en faut en fait deux dans la marinade et ensuite d'autres pour ça ensuite. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un en équilibre? Ouais, ça me fait mal, mais. Il faut faire quand même dans la règle de l'art, chef. Hein. Ouais, mais l'art, ça peut être assez subjectif. Eh oui. L'art, c'est subjectif, on peut pas. Tout à fait. Toujours avoir ce qu'on désire, quoi. Ça serait trop facile. Donc, on va remettre un peu d'ail, malheureusement. Écoutez, c'est les dures lois de la vie. Et fait par expert officiel Pogba. Ah ouais mec, hein. La Pogba, ça, hein. Le dab, tu connais. Hein? Voilà chef.
chef, on peut pas. Ouais. On peut, hein, mais bon, je pense que c'est pas mal. C'est ça que je veux dire. Ouais. Quand vous voulez. Si vous voulez, je fais. Ouais, ça me paraît honnête, on va dire. Ça me paraît honnête. Donc ensuite, il va falloir donc peler, écraser du dice si c'est possible pour vous. C'est possible. C'est possible? Ah ouais. On va réserver l'oignon haché. Vous avez vu, c'est une machine. Je suis une machine, chef. Bon, peut-être y aller doucement quand même. Mais, Non, mais pour le hachage, hein, je veux dire. Ouais. On va dire oui pour cette fois, mais restez tranquille quand même. Je reste quand même serein et humble. Ouais, hein, voilà. C'est ça. Voilà. N'hésitez pas à boire un peu d'eau s'il faut. Oui, ça c'est une belle leçon. Hydratez-vous, ça fait plaisir. Une belle leçon d'humidité. Chii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 i
Bon, je vais la chercher, c'est parfait. On va ajouter peut-être. Ouais. Parce que je suis gentil, je sais que ça vous fait plaisir. Je sais, chef. Un petit peu de coriandre en poudre. Coriandre en poudre, je vous la cherche, hein, vous l'avez. Je l'ai. Ah, vous l'avez. Ah, ben voilà, je l'ai prévu. Ça fait plaisir. Ça me brûle les yeux. C'est vrai, c'est l'oignon, ça mettait la haute aspirante éventuellement, chef. Ah, pas bête. Hop, un petit peu de coriandre en poudre, voilà. Super, là, il va nous faire une préparation d'enfer, là, ça va être bon. Parce qu'on est sympa. Je sens que le poulet commence à prendre de la marinade comme il faut. C'est possible. Ah, c'est possible, hein. J'ai pas envie de le regarder, mais... Non, voilà, on va le laisser tranquille. Voilà. Il a eu la chance de se reposer, lui. Ah, mes yeux brûlent. Ah, c'est vrai. On a eu un blitz, je crois. Qui a fait le blitz? Alors, je vais vous dire tout de suite qui c'est qu'il a fait. C'est Thomasson. Et du coup, qu'est-ce qu'il a marqué? Combien de bits? 100. 100 bits, ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. Il a mis un message, quelque chose ou pas? Thomasson, vous êtes en forme actuellement ce matin. A-t-il mis un message? Est-ce qu'il a rajouté un message? Non, rien du tout. Je pense qu'il a du mal. Mais il va le faire là, tous les quatre, Thomasson. Merci, franchement. Il faut nous regarder tous les 4 jours le dimanche matin parce que ça, apparemment, ça porte ses fruits. Hein, ça, c'est gentil. Je vais voir si vous laissez un message. Non, il n'a pas laissé le message, chef. Si, il a mis un petit waf waf. Je sais même pas pourquoi j'ai des bits, c'est bizarre. Bah, personne ne sait, mais bien joué à toi. Hein. C'est peut-être la dernière fois que tu es venu nous voir. Ouais, peut-être ça. Ah, encore des bits. Ah, alors, c'est qui ça? Ah, ça c'est Souris Verte. Merci Souris Verte pour les 1000 bits. Waouh. Alors là, sachez que si vous, quelqu'un s'abonne, offre un abonnement ou redonne des bits peut-être, il y aura peut-être un train de live. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir, vraiment. Merci. Merci. Alors, chef, la préparation, est-ce que les oignons deviennent translucides? Pas encore, parce que je pense qu'à feu doux, c'est pas le bon moyen. Allez-y, non, c'est juste pour éviter. En fait, si vous êtes devant, là, vous remuez constamment, ça va aller. Oui, oui. À feu vif. Sinon, il faut faire très attention, parce que ça va vite, hein, les oignons, vous savez. Hein. Voilà, chef, donc on est plutôt bien là. Hein. Je pense qu'on est plutôt serein au niveau des préparations. On peut le dire. Alors, est-ce que vous pouvez. Le terre? Non. Non, en fait, je vais m'en occuper. Dites-moi, c'est arrivé. Non, mais ça va, non, mais c'est pas. Enfin, j'ai. Je peux le faire. Que j'ouvre la boîte des tomates. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Voilà, chef. C'est avec plaisir. Il n'y a qu'à demander. Et c'est fait. Alors, normalement, il faut des. Alors, voilà. Nous, on n'a pas trouvé de tomates pelées concassées. Normalement, c'est préférable. Mais c'est pas obligatoire. Si vous avez juste des entières, c'est très bien aussi. Exactement. C'est exactement ça, chef. Ouais, je sais. Donc là, je me. Appelle à ouvrir la boîte de... D'y arriver, ouais. Oui, chef. Et donc, je vais vous les concasser, les tomates. Hein. C'est juste là, c'est quoi déjà? C'est le plan large, hein? Non. Non. C'est le deuxième, le plan main. Voilà, comme ça, ceux qui nous regardent. Après, ouais. Ouais. Voilà, c'est juste pour montrer que la tomate, normalement, on a acheté la tomate pelée entière, donc on peut la concasser sans problème. Hein? Ouais. Et grossièrement, c'est pas la peine de faire un gros truc. Hein? Après, je pense qu'il nous faudra le jus quand même. Hein? Il nous faudra le jus, je pense. Ah, ben vous avez tout ça, hein, chef? Ouais, non, mais... Oui, là je concasse la tomate. Voilà. Je préfère vous avertir quand même, quoi. Comment? Je préfère vous avertir quand même. Oui. Voilà. Encore des bits! Waouh! Ça va pas, quoi, la tête? Alors, c'est qui ça? Merci Souris Verte pour les bits. Ah, ouais. Et le train de live, il vient pas, comment ça? Moi, je pense qu'il faut offrir un abonnement ou un truc pour que ça marche. Eh oui. Twitch, bon, ils sont un peu chiants pour les trains de live, bizarre. Et merci beaucoup en tout cas pour les bits, tout le monde. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, chef. Ça fait très plaisir. Chef, vous pouvez. Pour les tomates, là, on est presque prêt là. Hein. Ouais, mais pas les oignons. Ah, ça manque un peu les oignons. Vous avez relu le plan de la gazinière? Ouais, continuez à remuer. C'est la troisième, hein? C'est gazinière. Gazinière, voilà. Vous l'avez là, chef. Vous y êtes. Là. Ils sont pas translucides encore là. Hein? Ouais. Ils sont pas translucides là encore. Si, c'est pas loin là. Mais c'est pas translucide ça. Et ça va finir avec du jus de tomate et tout ça là, chef. Translucide, c'est quand on voit à travers. Hein? Oui, bon, enfin. Bon, ouais, ils sont pas translucides alors. Bon, très bien, chef. C'est pas translucide, faut continuer là. Oui. Mais à feu doux, parce que non, sinon, ils vont devenir marron là. Hein? Bah là, depuis tout à l'heure, ils deviennent pas marron. Hein? Et
Et un feu doux, ça marche pas donc. C'est des bâtards les oignons. Quoi. Ah, bon, là je nettoie le plan de travail, chef. Vous avez la tomate qui a été concassée par mes soins. Ça fait plaisir. Avec le jus de tomate dedans, tout y est là. Hein. Donc je pense que si vous mettez ça, l'oignon va continuer. Check à moi ça, la rafale. La rafale, merci beaucoup pour le sub. Ah, merci beaucoup, waouh. Qui ça? Hein? Qui ça? Là, je viens de voir souris verte. Ouais. 100. Non. Il y a eu autre chose. Hein? Il y a eu autre chose. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un triangle. Alors bon, attendez, je vais donnez-moi les tomates, ouais. S'il vous plaît. Merci. Bien. Donc alors. Voilà. Alors. Donc. Où est-ce qu'on a là, chef? On voit tout ça. Ok. Donc voilà, on a ajouté les tomates concassées avec la sauce. Ouais. Je sais pas s'il fallait la sauce, mais bon, elle y est. Hein, c'était pas précisé vraiment, mais c'est pas grave. Hein. Non, là, il faut faire une sauce de toute façon. Voilà. Ça va permettre après d'introduire le poulet qui est mariné, de finir. Le poulet, il faut d'abord le cuire, non? Ouais, on va le faire griller d'abord, en tout premier lieu. Et du coup, il faut aller voir qui a fait le sub, parce que quand même, il faut remercier. Et merci beaucoup pour l'offre de sub, souris verte, ça fait plaisir. Mmh. Et je crois que du coup, c'était trop tard pour le travail, à mon avis, c'était passé. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour l'offre de sub à Tiflo, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors chef, où est-ce qu'on en est là? Sympa là, d'ici à l'image. On mélange là. Une belle sauce là. Hein. Pour l'instant, ça fait la base d'une sauce tomate, hein, on va dire. Comment? Pour l'instant là, comme ça, c'est la base d'une sauce tomate. À la tomate. Pas vraiment, mais. Oignon, ail, tomate, pour l'instant, c'est ça. Bah, coriandre, gingembre, c'est pas trop, c'est tomate. Non, la coriandre, gingembre, non, c'est vrai. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis que ça fait la base. Bon, après, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épice là-dedans, chef? Comme épice là-dedans dans cette. Là, y a rien. On a mis de l'huile d'olive pour faire isoler, c'est tout pour le moment. Parfumé, et c'est bon, voilà. Ouais. Bon, mais voilà, parfait. Hein. Et là, vous laissez mijoter. Là, je laisse mijoter maintenant. Il faut que ça réduise un peu ou pas? Je pense, mais enfin, on va. Là, il est quelle heure? 11h11. Ouais. Alors, attendez, je vais laisser mijoter. À feu doux, hein, pour mijoter. À feu doux, pour laisser à feu doux. Et... Voilà, vous pouvez. Aïe! Sur le bruitage. Voilà, et là, vous couvrez, et c'est bon, chef. Voilà, donc là, on laisse mijoter à feu doux, donc. Ouais. Pendant quelques temps. On va attendre un petit peu pour pouvoir lancer le poulet, parce que bon, ça fait 50 minutes. On passe un plan large, là, ici, là? Ouais, si vous voulez. Non, ouais, le plan large. Non, le plan large. Ah! Il a en passé quoi? La gazinière. Oui. La gazinière. Ah oui, gazinière, d'accord. Ah oui, on était en gazinière, on passe plein là. Voilà, le chef et moi. Donc nous avons. On va récapituler pour. Si ça vous fait plaisir. Parce que là, il est 11h15. Ouais. Sinon, on peut récapituler. Vous faites la récap pendant que moi, je commence à préparer donc, les boulets des gâteaux. Ouais, bah alors récap, bon, de toute façon, hein, c'est comme ouais, on a juste préparé les choses. On a déjà, il y a trois préparations. Alors, bien sûr, on a fait mariner du poulet, donc, bien sûr, dans une petite marinade spéciale à base de garam masala. Non, c'est ça, garam, ça s'appelle? C'est ça. Je vais vérifier quand même. De garam masala, c'est ça, avec du paprika, du piment doux, du gingembre, de l'ail, un yaourt nature brassé, tac, petite marinade. On l'a placé à 10h20, il est 11h12, donc ça va bientôt faire une heure. Au bout d'une heure, je sortirai pour le faire griller parce qu'il faut quand même le laisser mariner un peu. C'est une demi-heure minimum, donc même là, ce serait bon. Mais je vais attendre quand même un petit peu pour que ça fasse plaisir. La sauce est en train de mijoter, donc la sauce donc, à base d'oignon, ail aussi, gingembre râpé et coriandre en poudre, voilà. Donc, et tomates concassées, poulet entière concassé, ce que vous voulez. Donc voilà. À côté de ça, il y a eu du coup une pâte faite pour des nanes, exactement. Qui était préparation aussi, donc bon, il y en a une qui était déjà prête. Qui sera prête d'ici 11h30. On pourra la montrer et commencer à la préparer. Ouais. En attendant, on peut faire les boulettes, déjà les préparer sur une assiette et les réserver. Si ça vous fait plaisir, écoutez, je vous laisse faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous fait plaisir, faites-le. Bon, c'est ça, moi je dis, le plus important, c'est que ça vous fasse plaisir. Ouais, là, ça fait souris verte, ça fait quoi là les... On y va. Donc, je prépare la. On va faire les boulettes hein, sur une petite assiette. Un chef, en attendant. On va montrer. Donc ça n'a pas beaucoup grandi, c'est normal. Parce que les quantités sont pichounettes. Donc voilà, donc ça c'est la pâte donc, qu'on a fait pour le goulab jamoun. Goulab. Goulab.
T'as dit quoi? Goulab. Goulab. Non, t'as dit goulab. Hein. Ah oui, oui, j'ai bien fait attention de ne pas dire goulab, chef. Hein. Même si c'est en ce moment à la mode. Voilà, donc vous avez ici la pâte hein, qui est un peu sèche. Là. Tiens, c'est bien. Ça va commencer, chef. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il faut. Peut-être qu'on aurait dû finir le lait, quoi. Peut-être, hein. Mais tout à l'heure, là, c'est trop tard, je pense. Ah, vous pensez? Ouais, je pense pas le remettre maintenant, une fois que ça a déjà gonflé tout, c'est bien. Écoutez, on va faire. Je pense pas que c'est une très bonne idée. C'est vrai que là, la pâte, il est un peu sèche, chef. Hein. Comment? Il est un peu sèche, la pâte. Hein. Ah ouais? Allez, ça va. Je vais faire la boulette quand même. Hein. Ah, mettre vraiment la boulette. La boulette, hein. Ah, elle est excellente. Comme James? Ouais. Et ouais, c'est marrant ça. Quoi? C'est pas marrant, c'est la texture d'acier. Merci bien encore pour les 100 bits sur les vertes, ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Si vous nous régalez aujourd'hui, ça fait plaisir ça. Millionnaire d'ici la fin de l'émission, je pense. Ouais? Millionnaire d'ici la fin de l'émission, j'ai dit. Vous pensez, chef? Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est resté un peu. Et en passage, si vous voulez envoyer des petites gorges, ouais, en tout cas pour moi. Parce que là, je commence à, ouais, à devenir nerveux avec la texture là. Ah, ça passe pas? C'est un peu sec. Moi je serais d'avis de mettre un peu de. À peine. Hein. Mais vous l'avez jeté déjà, non? Le lait? Non, mais il y avait un fond. Il n'y avait rien. Mais c'est pas celui-là. Ah, vous l'avez mis déjà? Oui, oui. Mais c'est pas là, vous l'avez ajouté là? Oui, mais c'est pas celui-là. Et Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, si vous arrivez à faire les boules sans fissure, écoutez, à la limite, c'est bon. Hein. C'est bon là? Je sais pas. Il y a des fissures. Hein. Ouais. Il faut vraiment sans fissure pour arriver à. Et ouais, ouais. Et peut-être qu'il faut mettre un peu de matière grasse. J'ai essayé éventuellement. Une matière grasse peut-être. Ah, vous voyez, c'est l'élite. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On l'avait annoncé, hein, donc voilà. Pas de jugement, s'il vous plaît. Moi, je serais d'avis de mettre une petite goutte de la teinte des voir. Je vais regarder quand même la recette, hein, si vous permettez, chef. Alors, pour. Donc. Alors. Donc, ingrédients, hein, mélanger. Voilà, ajouter le beurre clarifié et. Pétrir, vraiment, voilà, donc, ajouter la moitié de lait, ok, répartir et toujours le lait si nécessaire. Ah, voilà, il faut que la pâte reste ferme et élastique. Bon, c'est pas du tout le cas. Ah, mais non. Hein, donc on va rajouter un peu de lait. Ouais, il y a eu un souci, quoi. Il y a un souci parce que là, elle s'effrite et là, si on la met dans le bain d'huile, c'est pas la peine. Non. Donc on va rester sans dessert et je pense qu'il y en a qui vont être dessus s'il n'y a pas de dessert. C'est possible. Ah, oui, c'est fort possible, chef. Donc il faut toujours essayer de tenter des choses autrement. Est-ce qu'on voit pas? Allez, on voit comme ça. Ça commence bien en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est ça, j'avais dit, c'était un peu l'aventure, chef. Et ouais, non, les desserts, ça, ouais, ça nous réussit pas forcément tout le temps, quoi. C'est pas ce qu'on fait le mieux, quoi. C'est pas ce qu'on fait de mieux. Mais au moins on essaye. Mais voilà, on tente parce que voilà, on se dit que c'est sympa de vouloir tenter des choses nouvelles qu'on connaît pas. Voilà. On est d'accord, bon, je pense, attends, je vais sortir mon poulet. Sortir le poulet, ça c'est une bonne idée, ça, chef. Qui aura bien mariné pendant une petite heure. Yes. Donc, quel plaisir, comme on dit. Alors. Voilà, là je pense que là c'est mieux au niveau texture, chef. Ouais. C'est beaucoup moins sec, ouais. Après c'est un peu normal, si on mouille c'est moins sec. Hein. Oula, attends. Alors, on va voir si on arrive à faire sans fissure. Hein. On va faire 3 boulettes. Hein. Donc là maintenant, dans une... alors normalement il faut une poêle grill pour le faire. Ouais. On n'a pas de poêle grill donc on va le faire sur une poêle normale. On va faire notre poulet qu'on a fait mariner, voilà, parce que ça fait, ouais, une heure. Donc c'est bon, on va faire griller juste à la poêle, voilà. Tout simplement en fait, mais pas plus compliqué que ça. Ou moins compliqué. Je vous passe que ça. La main, chef. Ouais, je veux bien s'il vous plaît, ouais. Allez, on va passer donc à. Plan gazinière. Voilà, vous y êtes, chef. Merci en bien. Direct. Alors, du coup, donc, je vais verser. Bon, alors, j'attends que la poêle chauffe un peu. Et je vais y verser, du coup, mon poulet avec la marinade. On met tout dans la poêle.
Donc voilà, on tout grille en fait. Voilà, on va juste faire griller le poulet et la marinade dans la poêle. Bon, j'attends qu'elle chauffe un petit peu et puis je me lance. Tout se passe bien là-bas? Écoutez, chef, je suis en train d'essayer de faire le... Ouais. Comme il se doit, hein, donc les petites boulettes, hein, sans fission. Ça galère un peu? Ça galère un peu, mais je pense qu'on peut réussir. Parce qu'il faut avoir confiance toujours en ce qu'on fait. Ouais, hein, c'est pas mal, c'est vrai. C'est pas mal comme missive. La confiance, ça permet d'avancer. Le doute aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Oui. Allez, on va verser du coup maintenant le poulet avec la marinade dans cette chair poêle. Voilà. Et au... Si vous faites. Et voilà. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est là? Le plan est toujours sur la gazinière? Le plan est toujours sur la gazinière, chef. Ouais, parfait. Il y a la souris verte qui envoie un petit peur là. Oui, c'est tout à l'heure ça. Ah, d'accord. Là, vous voyez, je suis en retard malgré tout, hein, chef. Ouais, mais reste, je vous ai dit, il y a l'heure qui est marquée à côté. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est en fonction de l'heure? Normalement. Non, je ne vois pas l'heure, c'est pour ça. Comment ça? Non. Normalement, sur le. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave, chef. Ça non, arrive. Tant pis. Non. On va dire qu'il y a plus grave. Ça n'est pas grave, chef. Comment? Ça n'est pas grave, tout va bien. Ça, c'est ce qu'on dit, ça. Oui, chef. Est-ce que c'est vrai pour autant? Je ne sais pas. Donc ça, c'est bon. On va prendre une spatule pour finir de récupérer la marinade, parce qu'on va pas perdre quand même. Ce serait dommage. Hop. Une petite marise. Pour prendre ce qui reste de marinade, parce qu'on va pas le gâcher, mon pote. C'est compliqué là, les desserts, hein, parce qu'en plus, ouais. Si vous voulez, moi ce qui me fait peur, si vous voulez, chef, je vous explique, c'est que comme il dit, sans fissure, et dès que je vois la moindre fissure, ouais. En fait, ça me stresse parce que je dis, c'est pas bon, tu vois. Et je pense que c'est bien de paniquer, ça. C'est bien de paniquer en même temps, parce que ça provoque justement un peu d'adrénaline, là, une montée, là. Voilà. En se disant, va-t-on réussir ou pas? Voilà, est-ce que le monde va changer pour autant si on rate? C'est ça la question, en fait, fondamentale. Ah, je me demande. Ouais. Je me demande. Alors ça, on va juste passer là pour éviter que ça se gêne. Si ça me gênait un petit peu, c'est chiant. Okay. Là, c'est bon. Donc, on va continuer à faire griller le pouletton. Je vais tenter, chef. Ouais. C'est parti. Va pour la première boulette. Voilà, donc le poulet grille tranquillement avec la marinade. Voilà, donc là, il n'y a juste pas grand-chose à faire en attendant. Il faut juste que ça grille. Bon, là, comme je dis, normalement, c'est une poêle grille qu'il faut. Hein. On n'a pas ça, donc on le fait comme ça. Mais ça devrait le faire, j'espère. Sinon, je me fous en l'air. Non, chef, s'il vous plaît. On verra, c'est bon. Ça va, ça se passe bien, chef. Ça m'a l'air super bon, là. Hein. Ça se passe, ça se passe. Ça se passe, pour l'instant, c'est en train de se passer un peu plus ou moins bien. Je sais pas quoi c'est censé ressembler, mais écoutez, ça se passe. Quoi. Bon, mais tant mieux. Il est déjà 11h30, chef. Hein. Ouais. Mine de rien. Hein. Exact. Donc c'était fait exprès, c'était prévu. C'était prévu. Donc. Là, je retourne un peu les poulets pour que ça cuise de tous les côtés, bien sûr. La base, quand on fait du poulet. Hein. Donc, la marinade donne une belle couleur au poulet, ça fait plaisir. Ah ouais. Allez. Je vais te tuer, toi. C'est bien, chef, là. C'est bon, ça m'a l'air sympa, là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui ça, vous? Le chat vous, ou moi? Oui, vous, le chef. Écoutez, ah, vous aussi, hein, dites, hein, faites des commentaires, hein, comment vous voyez le plat qui est en train de faire le chef. Si vous trouvez ça pas tchac, dites que c'est pas tchac, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire un commentaire, si vous en avez un, apportez-le. Il est le bienvenu, toujours. Ça nous aide, nous, à nous améliorer, à mieux comprendre si on va bien ou on va pas bien. C'est vous, hein, notre énergie. Si vous n'êtes pas là, ben on n'est pas là. Ouais, voilà, vraiment. C'est ça. C'est, voilà. Ce qui donne vie à l'émission, c'est vous. Ouais, c'est vrai. On peut dire, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu cucu, mais c'est vrai. C'est un peu cucu, mais c'est vrai, chef. Vous me l'accordez quand même. Je vous l'accorde. Très bien. Même si, bon, je trouve que je vous accorde beaucoup de choses dernièrement. C'est vrai, chef, mais vous êtes un homme parfait. Non, mais... Oui, vous êtes généreux, humain, voilà, quoi. Ouais, je fais de mon mieux, quoi. Ok, bon, écoutez, bah, ça grille tranquillement.
Est-ce qu'il y a eu des messages sur le chat? Non, personne n'a parlé. Non, pour l'instant, tout le monde est concentré. Vous, les boulettes, ça passe? Écoutez, chef, tant pis. Là, je suis en train de faire au mieux. Ouais. On verra. Hein? D'accord. Ah, de toute façon, là, pour l'année, hein, je fais comme je peux. Je comprends. Vous aurez fait de votre mieux et c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important. Toujours dans l'esprit de vouloir faire plaisir, de nous faire plaisir. Est-ce que je peux avoir la balance? Voilà, juste pour montrer comment on fait pour vous là. Où est la balance? Excusez-moi. Hein? La balance? Ah, derrière vous, s'il vous plaît. Là. La balance, j'ai besoin de la balance. Merci, chef. Merci bien. Bon, les boulettes sont prêtes. Est-ce qu'on peut peut-être les montrer là pour voir ce que ça donne? Oula. Alors, ça marche, chef? Comment? Voilà, je vous montre, c'est quoi déjà le plan, plan de main, hein, c'est ça? Eh oui. Plan de main, voilà, c'est juste pour vous montrer comment les boulettes sont réalisées, vous voyez, donc c'est des petites boulettes. Donc voilà, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut bien les... Voilà, pour éviter qu'il y ait des fissures, parce que s'il y a des fissures, alors là, c'est ça part à live, quoi. Là, il y a l'huile qui rentre dedans, ça délite complètement la boulette parce qu'il y a le comment on appelle ça, ce moule qui va partir en live, quoi. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Je vous assure pas le résultat. En tous les cas, voilà, on aura essayé. C'est le principe, hein. Donc en fait, le secret, c'est ça, c'est éviter qu'il y ait des fissures. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Ça, c'est le secret, ça? Oui, pour que ça ne se délite pas, parce que sinon, pas de boulettes. Pas de fissures, beaucoup de boulettes. Beaucoup de fissures, pas de boulettes. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est des fissures, mais je sais pas trop comment le lier. Ouais. Peut-être le lier un peu plus, je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, voilà, on va voir. On va voir, chef, c'est prêt, hein, les boulettes, hein, je fais comme j'ai pu. Je vous passe le plan gazinière, voilà, pour voir comment ça mijote, hein, c'est parfait. Les boulettes sont prêtes. Donc, elles sont prêtes, comme dirait l'autre. Je me lave les mains. Ouais. Là, vous êtes en train de préparer le beurre, là. Ouais. J'ai mis la gazinière, hein, comme ça, on voit comment ça mijote. Merci, merci. Voilà. Je vais lancer une préparation de riz, chef, pour accompagner le plat. Ou je commence à préparer. Ouais. J'avoue que le riz, ce serait bien de le faire, peut-être. Ouais. C'est vrai que ce serait bien de faire le riz, peut-être, ouais. D'accord, et après, j'attaque mon âme. Hein. Ouais. Si vous voulez, hein. Ah mais oui, de toute façon, il faudrait qu'on ait tout fini vers midi, quoi. Donc on va faire un petit peu de riz, pas mal, comme ça. Bah si, quand même. Pareil, pour manger après, quoi. Parce qu'il y a des gens à la maison. Faites de la dose. Faites de quoi manger, quoi. Oui, je pense que c'est bien. Très bien. Donc, comment ça se passe pour le riz? Je vais le montrer là-bas, hein, histoire de... Vous allez le rincer un peu? Ouais. Vous allez le voilà, rincer? Voilà, c'est ça, ouais. Je vais expliquer. Donc... Voilà, on est passé au plat là. Là, c'est ça. Et voilà. Ming. Voilà. Alors, regardez. Donc, on va faire un peu de riz basmati pour accompagner notre plat. Alors, le riz, la basmati, il est assez amidonné. Donc, on va lui donner un coup de rinçage dans l'eau froide d'abord, dans un premier temps, pour préparer la faire. Alors, on va faire. Bon, je pense que la dose est simple. Hein. Un verre de riz. Hein. Voilà. Un verre de riz. Je vais le porter donc à... Chef, est-ce que vous avez un écumoire en bas là, un passé là, un passoire? Une passoire? Ouais, s'il vous plaît, pour le riz. Voilà, donc on va le rincer à l'eau froide rapidement pour enlever l'excédent d'amidon, simplement pour qu'il ne soit pas trop collant. Donc on le verse là-dedans et je vais le rincer à l'eau froide dans la casserole. Une fois qu'il sera bien rincé, je remettrai dans la casserole. Une fois remis dans la casserole avec donc la dose de quantité de riz et un peu plus, hein, donc un verre et demi, hein, pour un verre de riz, et on va laisser cuire tranquillement, hein, salé évidemment un petit peu, et puis c'est terminé. On va le faire légèrement rissoler un peu et nacré avec un peu d'huile, hein, avant de commencer à mettre l'eau, et puis ça sera fait. Donc comme ça on le sera préparé tranquillement, et je vais m'attaquer ensuite au dessert. Donc on va le faire frire pour voir si on les rate tout de suite, comme ça c'est fait. Ouh la merde! Ah! Et ensuite, baisser la flamme peut-être, chef. Non, non. Voilà, je passe à la gazinière. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça,
Je ferai un nan donc pour pouvoir le déguster avec le riz et le dessert. Voilà, c'est parti. Et évidemment, il a viande du chef. Donc, je vais le rincer. Bon, ça, j'ai mis en plein cuisine, chef, hein, en gazinière pour vous. Comme ça, vous expliquer pendant que je fais. Ouais, bah moi, écoutez, je suis toujours en train de faire la même chose de toute façon. Hein. Ouais. Je suis toujours en train de faire griller le poulet. On va bientôt passer sur l'ajout du beurre et de la crème dans la, ouais. dans la sauce. Dans la préparation. Ça fait plaisir, c'est ça le but aussi. Voilà, au cas où vous sentez, vous entendez la bouille de l'eau, c'est normal, je suis en train de rincer, de laver le riz à froid. Je sais pas si on a depuis tout à l'heure des gens qui parlent ou pas. Je... Voilà. Ne dit rien, puis les... Non, personne ne parle, ça fait plaisir. Donc, j'ai enlevé. Je kiffe quand même. Un maximum d'amidon dans le riz. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc. Donc. Alors, maintenant, je vais ajouter. Donc, dans. Vous allez le faire là ? Ouais. D'accord. Non, le riz, je vais le faire de l'autre côté alors, si vous voulez. Je vais ajouter donc, du coup, à ma sauce qui est là, le. Comment on appelle ça ? Le beurre. Donc, 15 grammes de beurre, pardon. 15 grammes de beurre. Et attendez, ouais. Je vais préparer d'abord ma crème. Qui est là. Combien de crème, chef ? Exact, à peu près dans les 10 quoi. Alors, pour à peu la près crème. 10 centilitres. On essaie de faire ça bien. Voilà. Ok. Bon, ça voilà. Ok, donc on ajoute du coup maintenant le beurre. Le beurre. Donc 15 grammes hein, de beurre, on rappelle, et la crème. Donc 10 centilitres de crème. Parfait. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va mélanger. Ça bien sûr. Voilà donc le beurre on le rappelle hein, parce que ça s'appelle butter chicken donc le but c'est qu'il y ait quand même du beurre. Ouais c'est ça. Pas trop non plus. Pas trop, mais c'est mais voilà. Il y a le beurre, et la crème, crème aussi. Ça, ouais, c'est pas mal ça chef hein. C'est, ça m'a l'air sympa ça. On verra ce que ça va donner hein. Ouais. Bah, écoutez, ça ne peut donner que du bien. Écoutez on verra ce que ça on donne. On verra bien. On verra bien. Voilà chef, moi je suis prêt pour lancer le riz, comme ça je m'attaque après à la roulette, vous avez tout. Ouais, vous l'avez bien souri le... Hein ? Vous l'avez bien souri là ? Ah oui, 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 bien, bien, bien. Hein. Bien joué, ça fait plaisir. Voilà, j'enlève tout l'eau là, comme ça on voilà, est sûr donc, que hop, voilà. Une fois que c'est bien mélangé, ouais. On y ajoute le poulet, tout simplement. Voilà. Le poulet qui est grillé maintenant. Ouais. Donc hop, c'est parti. C'est magnifique, hein. En tout cas, ça a l'air super bon, hein. Ça a l'air appétissant, hein. Voilà, donc on ajoute le poulet, ce qui reste de marinade. Ouais. Si on ne perd rien. Voilà, la marinade est importante dans la recette. Ouais. On est bon, là, chef ? Hop, voilà. Ça m'a l'air sympa. Je vais lancer le riz à côté, là, si vous voulez. Si vous voulez, ouais. Donc le riz on avait dit hein, pour ceux qui... Oula ah. Il faut aller voir, attendez voir, je vais vous dire si c'est bon. Non c'est bon, c'est bon, ne quittez pas. Je vais vous dire si on est bon là. C'est bon. Ouais, on est bon. Voilà, donc on a rempli délicatement le poulet dans la sauce. Du butter chicks. Je me demande s'il fallait laisser le jus des tomates. Ah laisser mijoter, ouais. Non mais le jus des tomates, je me demande s'il fallait le laisser. Ah, bon. Je suis plus très sûr maintenant. Mais le laisser réduire, de toute façon, ça va partir. Certes, mais je suis pas sûr quand même qu'il fallait le laisser. Mais... Ah, bon, on verra. On va placer ici, donc là, on va tourner un peu la caméra pour montrer le. En même temps, si c'est possible. Ah, vous allez juste faire du riz, là ? Ouais. Ok. Voilà, juste pour dire que je mets un peu d'huile d'olive au fond de la casserole. Voilà. Donc, on va chauffer un peu d'huile, on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz qui a été au préalable rincé à l'eau pour enlever l'amidon. Hein, chef ? C'est ça, hein? C'est possible, ouais. C'est fort possible. Alors, voilà, voilà donc bon. Donc, du coup, maintenant, on va passer à feu doux. Donc, voilà. On va laisser la cuction pendant 15-20 minutes encore. Voici le riz qui a été rincé. Donc, on va le placer. Hein. Il y a voilà, la casserole qui chauffe, hein, tranquille. Avec l'huile, on verse le riz. Parfait. On va le laisser nacrer, c'est-à-dire qu'il va devenir un peu transparent, comme le chef avait fait pour les oignons.
C'est le même principe, hein, on va dire. Alors juste, voilà, donc là, il faut le laisser à feu doux ensuite pendant 15 minutes, en vérifiant que la sauce n'accroche pas, et il faut que ça boue à peine. Voilà, comme vous voyez là, des petites bulles, il faut pas que ça explose. Voilà. Donc voilà. À feu doux, et vous le laissez à feu doux. Voilà. Exactement. Donc, là, on est en train de faire nacrer le riz. On va mettre un peu de sel quand même, chef, non? Si ça vous fait plaisir, ouais. Ah ouais, parce que sinon qu'on dise pas après, ouais, il n'est pas salé, le riz. Voilà. Un chouïa de poivre. Voilà. Voilà, on nacre le riz. Il faut que le riz devienne un peu transparent, quoi, hein, même principe. Il ne faut pas qu'il crame, il ne faut pas qu'il accroche sur la casserole. Donc là, vous le voyez, voilà, très bien. Voilà. Voilà, bon, on va laisser reposer pendant 15 minutes la cuisson du truc. Hein. Le truc, j'ai oublié le nom qu'on s'appelait, mais c'est bien. J'ai quoi, 32, voilà. 30, on va dire. Donc, à 35-50, on le sortira. Ça fait plaisir en tout cas. J'espère ça fait que, plaisir, j'espère que vous avez passé un moment devant cette émission, que ça vous a plu. On espère que ce sera bon, qu'on va réussir à faire quelque chose de goûteux. Oui. D'impeccable. Voilà chef, là vous voyez, c'est que je commence à nacrer le riz, là il commence un peu à devenir entre transparent et blanc. Ouais. Donc là ça veut dire qu'il est chaud, il est à température, et donc on va ajouter l'eau. Si quelqu'un peut envoyer des petites gorges derrière au passage s'il vous plaît, ouais. Parce que je commence à avoir très soif. Voilà, on ajoute l'eau. On avait dit donc une dose et demie, hein, la mesure, hein, pour un verre de riz, un verre et demi d'eau. C'est possible, ouais. Voilà, là vous l'avez, c'est fait, et on peut passer à votre plan là si vous voulez chef, non? Quel plan? Oui, là-bas, parce que la gazinière c'est fait là. Quoi, au poulet pour... hein? Au poulet vous voulez dire? Non, pas au poulet, mais là on va passer maintenant là-bas. Non? Pourquoi faire? Oh, là, c'est là, oui, pourquoi pas. Là ouais. Je vais attaquer le chauffer l'huile pour faire les boulettes. Ouais, non, peut-être faire le nan, non? Un nan? Je prépare un nan? Quoique, ouais, les boulettes c'est combien de temps? Oh, les boulettes, c'est le temps de les griller, quoi, qu'elles deviennent dorées jolies. Ouais. Et après, on fait le. Non, en fait, la boulette, on fera le nan au dernier moment, je ouais, pense. Ouais, mais il faut sortir le fromage hein, pour le nan, chef. Ouais, je vais sortir ça. Vous le faites? Voilà. Ok. Très bien. Donc, je fais un nan. Non, on fait les boulettes si vous préférez, si vous pensez que c'est mieux. D'accord, ouais. Je chauffe l'huile. S'il faut les laisser reposer après dans mais, la. Par dans contre, là, ça fait 2 heures qu'on a fait reposer la pâte que j'avais fait ce matin. Ah, ça fait plus de 2 heures alors. Voilà, plus de 2 heures. Donc regardez à peu près ce que ça donne. Ah, non, résultat. On va le montrer. Non, on ne montre pas. Si vous voulez, bon, c'est juste... ah, ah, ça c'est dommage. Encore une fois, niqué par la vie. C'est quoi d'après vous? C'est toujours pareil de toute façon. C'est toujours pareil. Bon. Alors attendez. Non. Je vais péter ma tête dans pas très longtemps. Est-ce que c'est celle-là? Ah, c'est celle-là. Là, donc un petit problème technique. Non. Non? Non. Non, tout va bien. Ouais. Parfait. Alors. Ce sont les aléas du direct. Ça me prend pour en parler de ça, parce que j'ai besoin de. Ouais, allez-y. Là, parfait, voilà. Donc, je vous montre la pâte, assez rapidement, on ne sait jamais, voilà. Donc, vous avez la pâte là. Elle a reposé un peu plus de 2 heures, hein, regardez, ça donne ça. Vous voyez? Donc là, on va la dégazifier. Voilà, on enlève le gaz, hein, ce qui a fait qu'elle a gonflé. Voilà. Et là, vous avez donc la pâte prête pour faire un naan qu'on fera tout à l'heure. Donc voilà, juste pour vous montrer ça. Voilà comment elle est belle la pâte. Regardez, elle est magnifique, chef. Voilà, donc ça, elle est prête pour tout à l'heure. Hein. Donc je vais lancer la cuisson tout de suite des boulettes, chef. Ouais. Hein, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je passe à la gazinière. Écoutez, let's go. Hein. Let's go, c'est parti. Gazinière. On y est là-bas. Le chef est en train de touiller tranquillement. Voilà, pendant que le riz se fait aussi tranquillement, je vais allumer le petit feu voilà. Là pour faire le. Et du coup, ouais, je pense que je sais pas si franchement il fallait pas laisser le jus des tomates. Hein. Ah, il y a trop de jus, vous pensez? À mon avis, ouais, c'était pas censé faire autant. À mon avis, c'est, ça devait être bon, alors, plus, y a plus, méthode, plus hein, épais, plus. Vous pouvez écumer. Non, mais c'est pas grave. Non, on tout va... le poulet, non. Le réserver, le verre ça un peu fera, de jus. Ça fera du jus, c'est pas grave. Ouais. C'est bien, au pire, on... Oui. Bon, pas je vais grave. Allumer donc le petit feu là. On va chauffer l'huile. Ça ira comme ça. Hein. Voilà. Donc là, j'ai lancé donc pour chauffer l'huile. Oh, pardon. Voilà. On y est là?
Donc là, c'est donc pour préchauffer l'huile. Du coup, non, personne pour donner des gorges, c'est, ouais, c'est trop, trop demandé, s'il vous plaît. Et on est d'accord. On va pas qu'une seule petite, juste donnez-moi beaucoup de gorges. Ouais. Bon. Alors, est-ce qu'on peut faire, c'est en attendant que l'huile chauffe, chef, c'est préparer un nan pendant que l'huile chauffe pour faire des boulettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez. Voilà. Si vous pensez que c'est le putain, je vais péter un plomb, je vais tout casser, je vais tout briser. Non, c'est pas la peine. Ça va, si, ça va casser des gueules. Sur la tête de ma mère maintenant. Ok. Voilà. Donc là, je fais. Voilà. Merci pour la gorge. On va faire un nan. Petite gorge pour vous aussi. Oui, chef, tout de suite. On va faire un nan traditionnel. Donc si vous voulez, s'il vous plaît, chef, on me donne un kiri ou deux pour le nan. On va faire un seul pour la présentation, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? On va faire un seul pour la présentation. Ouais, bah ouais. Un joli. Voici le kiri. Voilà, merci. Donc on a pris un kiri au lieu de la vache kiri, c'est mieux pour nous. C'est, on préfère. On préfère. Hein. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, parce que ils font plutôt avec de la vache kiri, donc c'est peut-être pas mieux, mais on préfère. Voilà, vous avez vu la pâte comme elle est belle, elle est souple. Donc là, on fait traditionnellement. Hein. Voilà, vous voyez, on étale comme ça, on essaie de faire un peu un cercle. Hein. C'est pas évident. Oui. Ouais. Bon, vous allez vous en sortir. Vous êtes une personne habile. De mes doigts, ouais, ça dépend du jour. Hein. Voilà. Donc, on va prendre le kiri. Voici. Et on va un peu là. Ça. Et on fait ce processus là, qui est celui de chef. Fermer le. Voilà. Hein. On va fermer le nan comme ça. En exact. Bien vu ça. Bien fermé. Voilà. Il faut qu'il est bien fermé. Vous voyez comme c'était un peu le. Un ravioli vapeur finalement. Un ravioli vapeur, ça peut être. Vous voyez ce que ça veut dire? On peut ce que le chef a dit, un ravioli vapeur. Donc, bien veiller à ce que ça soit bien fermé. Finalement, la cuisine indienne, c'est tout doit être bien fermé. Pas des fissures, pas de machin, sinon, c'est parti en live. Et voilà. Et donc, là, maintenant, on va commencer à écraser doucement le nan jusqu'à l'étaler. La petite forme, vous voyez un peu comment ça se passe. Alors, j'ai envie d'ailleurs ça parce que c'est pas bien. J'aimerais dire que ça. Voilà. Vous voyez? Avec soin, avec amour, parce qu'il ne faut pas que le fromage sorte. Hein. Donc non, en fait, on écrase en même temps la pâte doucement et le fromage il va s'étaler doucement à l'intérieur. Voilà. Donc, après, au niveau de la cuisson, vous allez voir, hein, c'est à sec, effectivement, sur une poêle. Alors, généralement, ils font ça dans un tandoor, ils appellent les Indiens. Le tandoor est une sorte de four. Hein, qui est chauffé donc, au niveau des parois. Et il colle le pain, la galette, le nan. Contre le nan, contre la paroi, et ça cuit comme ça. C'est ça, chef, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça nous n'avons pas des tandoors, chef? Non. Après, j'ai vu que des gens le faisaient avec des casseroles, parfois, une espèce de marmite. Voilà, c'est ça, des marmites. Des marmites. Voilà, qui la chauffent, mais bon, à mon avis, là, technique dangereuse, quoi. Ouais, ouais. Au niveau du riz, là. Le riz, je peux regarder? Ouais, ouais, si vous voulez, mais vous allez voir directement là-bas. Ouais, non, je vais aller voir. Mais je pense qu'il a l'air presque prêt, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Le riz, je pense qu'il manque un chouïa d'eau, chef. Ouais, voilà. Un chouïa d'eau? Ah, merde. Un chouïa. Aïe, aïe, aïe. Vous avez mis une dose de demi. Donc, à mon avis, parce que sinon, on va pas être trop joli, quoi. C'est dommage. Ouais, après, le but, c'est qu'il soit bon, surtout. Exactement. Donc, joli, c'est dangereux. Joli, c'est pas très grave, quoi. Joli, c'est pas grave, mais bon, quoi. Donc. Et ouais. Le nan, voilà. Je dirais qu'il est presque prêt, chef. Hein. Ouais. Donc voilà, regardez, je l'étale un peu plus dans les bords qu'au milieu, parce que le milieu il y a le fromage qui s'étale doucement, il ne faut pas trop l'éclater. Voilà, chef. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, il m'a l'air sympa. Ouais, il est un peu petit, non? Mais il faut l'étaler. Oui. Vous me demandez ce que j'en pense, je vous le dis. Mais je ne parlais pas de la taille. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si.
Vous pensez qu'il est beau? Écoutez, il est beau, mais il sera plus beau quand il sera à la bonne taille. Et oui, il est beau pour l'instant. Voilà, enfin, en tout cas, regardez, vous voyez, faire doucement pour pas accélérer le processus de l'écrasement. Voilà, chef. De toute façon, il n'a pas envie de s'étaler plus, visiblement. Il revient vers le centre toujours. Oui, parce que la pâte, elle est élastique. Élastique, ouais. Non, écoutez, ça peut être bon, je pense. Hein. Oui. Là, je l'ai fait à la traditionnelle, parce que généralement, il y a des gens qui le font avec un pâté, un rouleau pâtissier, mais bon, c'est à chaque fois qu'il le fait. Oui, oui. On n'est pas là pour juger, de toute façon. Non, on n'est pas là pour juger. Enfin, si, on est là pour se juger nous-mêmes, quand même. Voilà, on est là quand même pour se dire qu'on pas est. Pas les autres. Voilà, qu'on essaie de faire un maximum pour que ça soit nickel pour vous. C'est nickel pour nous aussi, quand même, parce que c'est nous qui mangeons, quoi. Oui. Oh, à mon avis, ça va être nickel quand même, chef. J'espère. Vous l'espérez aussi? Allez, on va attaquer. Il y a le même intérêt quasiment. Voilà, le nan est prêt. On va le laisser là, hein, tranquille. Et on va attaquer les boulettes. D'accord, bon, chef? C'est, si ça vous fait plaisir. Je pense que ça va nous faire plaisir. Allez, j'y vais. On va passer à la gazinière. Ah bon, on fait pas le chisane? On fait pas le chisane du coup? Voulez-vous que je le fasse tout de suite? Bah pour après je puisse présenter avec bon, non je pense. Allez. Parce que moi c'est bientôt fini ça. Allez, on va, je vais préparer la poêle. Ouais. Et on va l'attaquer. Ouais. Allez. Après, ou sinon, enfin on peut faire les deux en même temps. Non, c'est pareil. Là où je pouvais mettre à chauffer les boulettes et en même temps faire le nan. Allez, c'est parti, on va faire un challenge. Vous en sentez capable, ouais? Hein? Vous en sentez capable? Ouais, allez-y. Ok. On va les mettre le. On y est là? Ah, vous l'avez pas mis? Je crois pas, hein. Ouais, ouais. Ouais, vous voyez, il y a tout qui est en train de chauffer de partout. Allez, c'est parti. Challenge. Challenge. On va tout allumer là. Voilà. Là, c'est le moment où vraiment, il y a tout qui est sur le feu. Ça va être prêt. Ça va être bientôt. Chaud là. Chaud, chaud, chaud. Non, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Oui, chef. Il vous reste combien là? 20 minutes? Un peu moins 15 minutes? 15 minutes, ouais. Ah ouais, on est bon, hein? Là, pour l'instant, ça passe. Ouais. Voilà, là, je chauffe et là, l'huile est chaude. Je vais commencer, chef. Alors, souhaitez bonne chance, vous me souhaitez, parce que là... Ouais, ça va, c'est la bonne chance. J'ai peur que ça le fasse pas. Ah, c'est plaisir, le petit vent, là. Merci, ça. Ça m'a réveillé. À qui, ça? Le vent. Ah. Je vais réveiller mes sens. En plus, là, c'est le moment de la chanson DIY, donc il va falloir. Salut les filles. Oh, pardon, excusez-moi pour le micro. C'est parfait exprès. Je le jure. Ok, chef. Tout est en même temps là, c'est génial. Hein? Regardez, moi je trouve qu'on travaille vraiment de. Hein, comment on appelle ça? Avec parcimonie. Avec parcimonie. Rien à voir, non. On est en accord, en pleine harmonie. Bravo. En pleine harmonie. Bravo. Hein? Alors pourquoi tu dis bravo, souris verte, pardon? C'est ça. Allez, c'est bon. Chef, ouais. Pour le chisnan, on peut ouais. L'envoyer. Vous laissez à fond là? Non, je baisse un peu là. Il faut le faire 3 minutes à peu près par. De chaque côté? Ok. Ouais. Écoutez, Barasson. Pour l'instant, le gulab jamun et gulab jamun tiennent bien. Ouais, ils ont l'air de tenir. Hein. Ils ont l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir, effectivement. Donc, tant mieux. Ils ont l'air de bien gonfler aussi. Hein. Ouais. Chef, j'y vais. Hein. Ouais, allez-y. En direct. Ça avait explosé dans l'huile. Directement, ça avait explosé instantanément. Non, je parle à la verte. Ça n'explose pas encore, non, chef. Non, ils tiennent, ils commencent à dorer un peu. Mais c'est vrai qu'ils commencent à s'ouvrir. Hein. Ah ouais? Ah ouais, putain. Aïe. Purée, pardon, chef, excusez-moi. Non, ça me va. Ça vient du cœur. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, donc ça me va. Tant que c'est sincère. Donc 3 minutes de chaque côté à peu près, ouais. Pour le chisnan, chef. Hein. Vous avez compté? Hein? Vous avez compté? Oui, à moins 5 là-bas pour moi. Enfin, à moins 4, moins 6. Ok.
À moins 6. À moins 6, mais là vous l'avez déjà mis depuis 2 minutes au moins. Ouais. Vous l'avez fait au moins 2 minutes ou vous l'avez mis là? Non, 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 je viens de rester à l'instant. Ah non, non, non. Je vous dis, chef. Alors oui, dès que je les avais déposés dans l'île, ça avait tout. Ah ouais, ah bon, bah. Donc ça a l'air d'être une réussite alors, c'est trop spécial. Ouais. Oh, par contre, il avait bien chauffé la poêle, hein. Ouais, oui, non, mais même je vous dis, je pense que ça fait au moins 2 minutes que vous l'avez mis, hein. Voilà, ça va? Ouais. Ok, donc c'est bon. Moi, ça va bientôt être fini pour mon poulet aussi. Le riz, où est-ce qu'on en est Alors, le riz, il est. Ça y est, on va procéder à la. Ouais, à l'évaporation. À l'évaporation avec couvertures. Yes. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, chef. Hein. Je continue yes. À faire cuire mes. Ouais. Mes goulabs, ils s'ouvrent un peu, hein, chef. Hein. Ouais. Vous voyez. Après, tant qu'ils se délitent pas totalement, c'est pas grave. Non, ils se délitent pas, mais ils s'ouvrent. Ouais, mais c'est pas grave. En vrai, ça va. Tant qu'ils s'exposent pas, c'est bon. Oui, chef. Donc, on va procéder donc à terminer le riz à façon vapeur. On va l'étouffer un peu, hein. Le chimé bleu. Merci bien. Qui ça? Chimé bleu. Ah. Voilà, chef. Eh oui, merci bien pour ta gorge. Tu me l'avais promis, tu l'as fait. Ça fait plaisir. C'est bien, ce qu'il dit, il le fait, c'est ça? Comment? Ce qu'il dit, il le fait. Ouais, c'est ça. Grosso modo. Et il fait ce qu'il dit aussi. Ah, voilà, ça, c'est bien ça. Voilà, chef, ça il avance. Dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Oula. Et moi, ça va être prêt, là, du coup, hein. Ouais. Le riz, c'est dans bientôt là ou pas? Le riz, c'est dans bientôt, chef. Bientôt comment, genre? Bientôt dans 3 minutes, 4 minutes. Hein. Ok. Faut pas, parce que là, ouais, c'est serré. On est serré là, on a toujours un problème de timing quand même, presque. Non, pas toujours, mais. La dernière fois, on avait fini vachement de bonne heure. Même ouais. Pile poil, quoi. Après, c'était pas pile compliqué poil. Ce qu'on faisait, quoi. C'est pas, ouais, c'est vrai. Là, je sais pas si vous voyez, mais on commence à donner une belle texture malgré le fait qu'il s'ouvre légèrement. Donc voilà. Donc en fait, là, un peu pour tirer la leçon de ce goulab, c'est qu'il faut que la pâte reste pas sèche, mais plutôt légèrement collante. Attention, le chisnan, non, peut-être. Vous avez regardé, ouais. Bon, mais on est bon là, chef. Là, c'est bon, ça fait plus 3 minutes partout. Ok, parfait. Écoutez, le riz dans combien de temps, on m'a dit? Le riz dans 3 minutes maintenant. Ok. Parce que du coup. Là, on est bon. Pour que je fasse une petite présentation, quoi. Ouais. Alors, il nous faut une assiette. Hein. Et ouais, ça, je vais les faire tremper dans le sirop maintenant. Ouais. Bon, alors, on va faire déjà le plat principal. On a déjà le plat principal. On va déjà faire ça et qu'on verra. Ça m'a l'air bien là. Et la roche, ça va? Ok, j'enlève une boulette. Enfin, j'enlève les boulettes, je vais mettre le sirop. Ok, chef? Ouais, pour moi ça fait 20 minutes donc c'est bon. Ok. On sort le poulet. On sort finalement, le poulet, il est prêt. Hein. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment trop de sauce. Normalement, c'est pas censé faire autant de sauce. C'est pas très grave, honnêtement. Non, franchement pas, chef. Tant pis, l'échec fait partie de la réussite. Quoi? Voilà. Non, c'est pas ça le terme. Je pense que ça marche pas. Ok. Ouais, normalement, c'est censé faire moins que ça, quand même. Mais tant pis. Souviens qui a encore donné 100 bêtes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est du riz? Alors, le riz, chef, il est prêt. Il est prêt? Ouais. Est-ce là, je chauffe le sirop un peu. Le riz est prêt là? Et le riz est prêt dans une minute. Il va y prendre 3 minutes. Dans une minute, on va pouvoir faire le.
Où est-ce qu'il est le manche? Ah, il est là-bas. Ok. Ouais. Bon, voilà. Mais vous, pouvez vous pouvez le récupérer hein, si vous voulez pour l'instant. Ouais. Vous pouvez le récupérer là. Hein. Ok. Ben voilà. Vous voulez qu'on commence à composer le plat? Et écoutez, bah, si vous voulez juste. Ouais, je vais le faire. C'est pour une fois. D'habitude, vous le faites. Bah, cette fois, je vais m'en occuper. J'y tiens. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir aussi? Si vous faites. La manche, il est un peu dur. Vous avez mis sous des plats là pour que tout là-bas ou le dresser comment? Pour mettre la casserole. Ouais, un peu. Ouais, ouais, comme ouais, ça, ouais. Dessous des plats. Dessous des plats. Allez. Ah, et une autre petite gorge du chimé, Blau. Merci, mec. Merci, Joël Maria. Ça fait plaisir. Une gorge pour le second. Tout de suite. Ok, donc, alors, je vais amener le riz. On va se servir en riz. On va se servir en riz. Voilà, on est bon. Et vous pouvez passer à la fin maintenant, parce que le temps que je fasse ici, là. Ouais. Ok, alors, du coup, il faut une cuillère, s'il vous plaît, pour remettre le riz. Une cuillère à bois? Ouais, si vous voulez. Une cuillère à bois, ouais. Et voilà. Merci bien. On va faire un petit truc, hein. Ouais. Ouais, si c'est bien, donc ça fait joli. On va faire une trop grosse assiette de toute façon. On va faire une tranquille. Voilà, juste histoire de. Eh, ça frise la caméra, c'est cool. Ça fait plaisir en tout cas. Vous avez bu votre gorge, excusez-moi. Oui, ça y est, chef. C'est bien, j'avoue, ça fait plaisir. J'ai le nain qui est prêt. Ouais, nice. Alors attendez, il me faut d'abord. Je vais d'abord mettre le poulet, si vous vouliez bien. Absolument. Alors. Voilà. Bon, la caméra ne marche plus. Ah, mais. Alors, attendez. Parce que là, il faut que je verse ça bien. Ne le mettez pas encore. Hein. Non, j'ai rien mis. Je vais d'abord faire ça. Et c'est figé la caméra, chef? Ouais. Ah, mais ça va. Ouais, c'est un peu la merde. Bon, mais c'est un peu la. Voilà. Un peu la merde, ça arrive. Le drôle de pas caca. Très grave. C'est dommage, vous ne voyez pas le dressage. Ouais, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer après. On va le montrer, on va faire une photo. Hein? N'oublions pas. N'oublions pas. Voilà, ça c'est fait. Aïe. Aïe, pardon. Voilà, petite assiette. Alors, est-ce que. Alors, attendez, je vais essayer de régler ce problème de caméra. Ouais, allez, essayez quand même. Je vous donne un petit coup. Il faut que ça fonctionne. Ce serait bien que ça fonctionne. Ça fonctionne, s'il te plaît, la caméra. Ne fais pas ça. Ça fonctionne ou pas? Ça va marcher. On va y arriver. On va y arriver, hein. On va y arriver. Vous pensez que c'est un problème de faux contact, chef? Non, je pense pas. Non. Ah, bon, en tout cas, voilà. Le chef est en train d'essayer de remettre en état là, pour que vous puissiez avoir un visuel. Ah ouais, ce serait bien quand même. Voilà. Qu'on n'ait pas fait ça pour rien, quoi. Voilà. Parce que quand même, en plus, on finit à l'heure, hein, chef. Et ouais, on y était presque, c'est dommage. On y était presque, hein. Voilà, donc là le chef est en train de remettre l'état. Est-ce que le chisnan on le place? Bon. Ah. Le chisnan, est-ce qu'on le couperait, on le couperait pas en deux? Oui, pour le présenter? Et ouais. Oui, chef. Vous le coupez ou je le coupe? Allez-y, je vous en prie. Hein. Est-ce que ça filme bien, là? Non. Oui, là, c'est bon. C'est bien, le chef. Voilà, regardez. Donc là, déjà, ce voilà, qu'il a fait le chef. Vous voyez, chef, la qualité n'est plus pas aussi bonne, hein, mais bon. Voilà, le chisane. Vous voyez, regardez. Bon, il n'y a pas de fromage, il ne sort pas trop le gamin. Non, à la limite, il faudra peut-être mettre deux. Allez-y. Ça va là. Bien ça. On est comme ça. Oui, comme vous voulez, en fait. C'est parfait. Voilà, petite. Voilà la petite présentation. Oula, merde, donc, voilà, poulet, donc butter chicken. Yes. Et nan, cheese nan, voilà.
C'est le résultat de nos expériences. Voilà, de la, notre belle expérience de ce matin. C'était bien ou pas ? Pour vous. Voilà, donc c'est, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Est-ce que ça fera plaisir au goût ? On va voir. On va voir, hein. On va voir si ça fait plaisir ou pas. Voilà, chef. Il y avait une gorge à nouveau. Est-ce que vous l'avez... Ah non, non, c'est bon, c'est, vous l'avez bu, ça. C'est bon ? Oui. Alors, on y va. Ok. J'ai peur. Je pense que c'est normal. Merci bien. Voilà. Ok, bah écoutez, goûtons avant de terminer. Vous avez mis dans le sirop vos... Ça y est, ils sont en train d'imbiber là, le sirop, chef. Écoutez, on y va. Moi, je vais commencer par le chisnan, si vous permettez. Voilà. Voilà, regardez. Alors, est-ce qu'au niveau de la cuisson, c'était bon ? Oui, ça m'a l'air cuit des dents, chef. Regardez. C'est sympa, là, non ? Alors, ça manque peut-être un peu de fromage, peut-être qu'il faut mettre un peu plus. C'est très bon. Non, si. Ça manque totalement de sel. Genre vraiment. Il n'y en a pas dans la recette. Mais non, mais ça aussi il se coupe. Non, c'est une blague. Je vais tout casser. Sur ma vie, je vais tout casser. Ah là, là. Donc du coup, on va goûter le chisnan quand même. Le poulet, effectivement, le goût est bon, tout est bon au niveau même des saveurs, tout ça, les parfums, ça sent bien. Mais c'est vrai que ça manque un chouïa de sel. Voilà. Mais c'est bon. Alors le riz, il est bon. Le nan est bon, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'écraser plus encore. Parce que c'est pas très cuit à l'intérieur. Absolument. Ça manque de cuisson un peu. Légèrement. Donc il ne faut pas hésiter à plus l'écraser encore, ouais. Je pense. Ouais. À peine un peu, mais franchement bien. Peut-être pareil, peut-être saler un peu la pâte, peut-être. Non. Moi je dirais, mais après c'est bon. Moi je dirais que c'est bon quand même. C'est bon. Et on sent pas trop le fromage, je trouve. Je pense qu'il faut mettre deux. Ouais, peut-être deux, c'est bien, ouais. Ouais. Je mets pas un peu plus. Deux, et on étale complètement, enfin, une corde. Ouais, après c'est franchement c'est sympa, hein, c'est bon. Hein. On va mettre un peu de sel quand même sur le. Ouais. C'est bon là. Alors une petite gorge par contre. Ouais. Moi aussi. On disait c'était magnifique, c'est magnifique, donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Malheureusement la caméra qui cheat ou ça nous montre un truc magnifique est morte. Mais c'est très bon, je vais essayer de. C'est avec un peu de la goûter avec le sel. Sel. Ouais. Ouais. Mieux. Clairement, ça manquait de sel. Clairement. C'est juste ce qui manquait, je pense. Mais après, même le riz est bon, hein. Ouais. Le riz est très pas mal. Très bon, chef. Bravo, chef, c'est délicieux. Là, comme ça, là, avec le sel, là. Ouais. Avec le sel, franchement, super. Merci beaucoup, en tous les cas. Ouais, merci à tous. Ouais, merci d'avoir été présent. Le dessert, peut-être. Tout de suite, chef, je vais le dresser. On va gâcher les jambes. Les mannes. Merci tout le monde pour les gorges d'ailleurs. Je vous ai pas dit merci, ouais. Chimé. Merci, merci ouais, tout super. Merci les gars. Alors... Vous avez régalé. Écoutez, c'est bon, alors juste voilà, donc le poulet ça manquait de sel, donc mettez du sel dans la préparation. C'est vrai qu'il n'y en avait pas dans la recette, ça m'a étonné, mais on vient d'arriver à Perpignan. Ok, bah écoutez. Bien arrivé, bravo. Amusez-vous bien. Ouais, prenez soin de vous, bien. Profitez bien. Faites des bisous à tout le monde, absolument. Mangez bien. Et à la prochaine, merci d'être passé, ça me fait plaisir. Merci pour les gorges, tout ça, merci pour tout. Plus tard, hein. Exactement. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on pourra montrer le... Ouais. Voilà, donc là, on a... Non, mais sortez-le. Donc voilà, donc la boulette qui est imbibée dans le sirop. Qui a gonflé. Combien de temps elle est restée dedans ? Oh là, 5 minutes, le temps qu'on mange le plat. Une petite gorge, merci pour la gorge. Ouais, j'y vais. Merci bien. Voilà.
On va mettre un petit peu de sirop. Alors c'est plus impressionnant quand on, effectivement le sirop est coloré quoi, un peu jaune ou rouge, mais bon. Ouais, c'est pas grave. C'est, pour, voilà, c'est, bon, non c'est juste pour montrer là, comment ça se fait, quoi. Donc on va faire une petite photo quand même. Ah. Avant de passer à la dégustation. Il n'y a pas le temps pour ça, je crois. Si, chef. Non. Juste il est déjà midi passé. Hein. Il est midi passé. Eh ouais. Il est midi passé. Voilà, on va déguster. On va, avec cette dégustation, vous dire au revoir. Bien, chef. Alors, goûtons ça. Tu peux goûter le vôtre, sinon. Oui, c'est bon. Ok. Let's go, hein, c'est parti. Let's go, c'est parti. On goûte. C'est bon, c'est sucré. Ça fait penser à quelque chose. Ouais, au macro, mais un peu plus goût. Ouais, peut-être un peu ça. Un peu, ouais. Ou un peu macro de macro. Macro ouais. À base de semoule. Il faut c'est peut-être bon. Laisser refroidir. Peut-être. Froid. Normalement, le sirop était censé rester froid d'ailleurs, non Non, il fallait, non, il fallait non, réchauffer. Il faut le réchauffer pour okay. Pouvoir le. Voilà. Ok. Mais ouais, mais c'est bon, en tout cas, c'est bien sucré. Ouais. Là, c'est vrai qu'il n'y a ouais. Pas de. Ça fait plaisir, c'est que ça ressemble un peu au goût de macro. Ouais, un peu, ouais, voilà, ça rappelle la pâte à macro. Le sirop, tout ça et la semoule, c'est sûr. Mais bien vu, ça, bien vu. Franchement, très bon. Voilà. Très bien. Et voilà. On a fini pour aujourd'hui, donc finalement, pas trop d'échecs, ça va. Bon, si vous refaites le poulet chez vous, un peu plus de sel, enfin, mettez du sel tout court d'ailleurs. Assaisonner, goûter. Ouais, enfin, mettez, ouais voilà. C'est pas mal, ça peut être ça, ce que j'ai pas fait, mais le sel, ça manquait. C'est bon. Franchement, c'était bon. Mettez peut-être. Deux morceaux de fromage dans les nanes, pas qu'un oui, seul. Pas qu'un seul, deux pour que ça soit deux pour que ça bien fromagé, bien parce que là, du coup, c'est. Voilà. Et étaler un peu plus aussi, je pense. Voilà. Faire plus et fin. Étaler plus la pâte. Pour que la pâte cuise bien à l'intérieur. Oui, voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'il y ait moins de temps de cuisson et que ça soit. Ouais. Plus c'est les fines, plus c'est ouais. Étalé et soit, plus vite soit homogène, quoi. Voilà. Très bien, voilà. Et voilà. Les desserts étaient bons aussi. Voilà. Je laissais rien à redire. Hein. Ouais. Peut-être, ouais, comme il disait, laisser refroidir un peu, peut-être. Voilà. Mais sinon, par ça, c'est un peu. Merci beaucoup. On avait passé des 7 minutes. Mais ouais. Ça va, mais par ça, ça passe. Hein, on va dire que ça passe. Voilà. Voilà. Et voilà. Bah, merci à tous encore une merci, fois. Donc, prochaine émission le 8 mai. C'est ça. Le 8 mai, on va faire tourner la roue pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est jamais. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va explorer dans 2 semaines? Yes. Bon, ça où est-ce qu'on va aller faire un tour avec vous? Alors, c'est un drôle. C'est où? C'est tombé au milieu. Ah, mais on va la relancer. Hein. On relance, hein? La connasse. Oui. c'est ça la chance ou la malchance de la roue. Boom. Et donc, le prochain pays à explorer sera la France. On va repasser sur la France un petit coup. Ça fait longtemps. Ça hein. Fait, on va faire des petits plats. Hein. Ouais, on va faire des petits plats français. Ah, on verra ce que c'est. Hein. Et en plus, excusez-moi, pour le 8 mai, donc c'est quand même. C'est vraiment. Hein. On est pas mal. On est pas mal, donc ça sera parfait. Voilà, ça va être le jour de l'investiture de nouveau président de la République ou la nouvelle présidente. Non, je pense qu'il ne faut pas parler de ça. Voilà, mais en tout cas, parce que ça fait trop mal déjà d'y penser, donc voilà. On est d'accord. Merci à tous, encore une fois, d'avoir suivi cette émission, c'était super merci sympa. Vraiment, vous êtes merci pour les gorges, merci pour les bits, merci pour les subs, merci pour tout. Merci pour les gorges, pour tout. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. On va faire comme ça. Bon dimanche à tous. Allez, on fait des bisous. Bon courage voilà, pour la suite. Passez un bon dimanche. Passez une bonne semaine. Bonne semaine. Et à la prochaine. C'est pas comme ça que j'imaginais ma vie enfermée sous camisole. J'ai voulu m'envoler des bastos, m'en planter au sol. En fait c'est peut-être que je le mérite, qui sait. J'ai plus de mal que de bien, tu sais, j'essaie de me racheter, ouais. J'ai essayé de guérir des blessures, tu sais. Fermer la plaie, mais soudainement mes vieux démons m'ont chanté mon passé. Ce qui est derrière revient devant, te guette tout le temps. Pas comme l'amour d'un être ou autre qui passe en coup de vent. Combien de fois pour ce putain de peurage j'ai failli partir en couille. J'ai pris le mic pour lui jouer sur mon balance et des douilles. Et toi dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? J'ai trop trimé. Pour en arriver là et repartir. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me
me bats chaque jour pour avancer. Une globe de fog me dégoûte, des bâtards violent des mômes, des petits gosses nuit et jour. Et ça me fait mal, j'en ai marre, parce qu'on conserve le silence, les laissant recommencer. De plus en plus, voler l'avenir de nos enfants. Me parle pas de justice, tuer père et mère sans scrupule. Je préfère les voir crever que rester vivant dans une cellule. Combien de fois des femmes envers moi se sont confessées? Combien de fois j'ai essuyé sur leurs joues les larmes tombées? Et c'est horrible quand on voit comment tout ça se finit. Une veine tranchée par une môme de 15 ans en panique. Ce monde est crade, mec. Beaucoup plus de mauvais que de kiff. Ça perd le goût de vivre quand ce sont des peines qui nous unissent. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est ma confession, ce que tu n'entendras pas ailleurs. On souffre tous de quelque chose que chaque jour nous écœure. J'ai beau te parler de tout ça, conscient que ça te touchera, que tu te reconnaîtras, mais qu'à travers ça rien ne changera. Parce que l'humain est trop con, se voit toujours la face. Je comprends pas, je me noie dans ces pensées qui me font boire la tasse. J'ai besoin de me confesser, trop de péchés qui viennent me secouer, ouais. J'ai pas oublié en me mettant à teaser. Sous ma carapace comme certains, j'ai trop de choses qui me rendent malade. Combien d'années m'as-tu vu sans un sourire, même pas une larme? À l'intérieur, je suis mort, dans le cœur, je suis KO. J'essaie de me battre, de mettre tout ce que j'aime bien haut. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer.